La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, une nouvelle semaine dans la compagnie des auteurs, 4 jours pour redécouvrir un Anglais amoureux de la Méditerranée, Lawrence Durrell. Durrell est mort en France à l'âge de 78 ans, c'était le 7 novembre 1990. Après avoir vécu aux quatre coins du monde, de l'Inde à l'Argentine, de l'Égypte à la Grèce ou de Chypre à Sommières. Au cours de ses diverses villégiatures, il a trouvé l'inspiration pour de nombreux textes dont émergent deux grandes séries de romans, le Quintet d'Avignon et surtout, le Quatuor d'Alexandrie, lequel restera comme son chef-d'œuvre. Nous en parlerons en détail jeudi, ce sera avec Eglal Herrera qu'il a adapté pour France Culture. Ce sera aussi l'occasion d'entendre davantage en longueur le texte de Durrell. Avant cela, il s'agira de découvrir cet écrivain surtout connu pour ses romans et beaucoup moins pour sa poésie, qui d'ailleurs n'est pas traduite en français, qu'à cela ne tienne. La prose de Durrell dit assez qu'il est un véritable poète et la chercheuse en littérature Isabelle Keller-Privat nous dira pourquoi mercredi. Enfin, mon invité de demain a publié un très beau livre sur Durrell dans la collection Voyager avec, coédité par Vuitton et la Quinzaine littéraire. Corinne Alexandre Garner de l'Université Paris 10 connaît tout de cet écrivain anglais qui a entretenu une longue amitié avec un écrivain américain, Henry Miller. Elle nous dira tout cela. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une femme écrivain pour ouvrir cette semaine. Béatrice Comanger a publié plusieurs romans comme « Et il ne pleut jamais naturellement » en 2003 ou encore des récits comme « La danse de Nietzsche » réédité il y a quelques mois dans la collection de poche des éditions Verdier. Verdier, où elle vient de publier « Une vie de paysage », paysage au pluriel, un livre consacré à Lawrence Durrell sur les traces duquel elle est retournée. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. L'acte d'attaquer soi-même libère le lecteur. C'est pour ça qu'on a des lecteurs et des lectrices. Ils se voient dans ce miroir. Ils disent, tiens, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Il y a un autre qui est arrivé à faire une forme compréhensible, c'est-à-dire donner un genre de raison d'être pour ses sentiments cachés, enfin... Toute la psychologie tordue et difficile de l'enfant surtout. Mais je crois qu'il faut que tout le monde traverse ce chemin étrange, ténébreux. Autrement, nous n'avons pas de raison d'être. Lawrence Durrell, interrogé par Marc Aline, c'était en 1971. Bonjour Béatrice Comanger. Bonjour. Pour Lawrence Durrell, on vient de l'entendre, la littérature permet au lecteur de relativiser sa propre folie, sa propre mélancolie, comme on voudra. Est-ce que, selon vous, Lawrence Durrell envisageait la littérature comme un moyen d'aider à vivre, que ce soit de s'aider lui-même à vivre, comme d'aider à vivre ses lecteurs ? Aider à vivre. Enfin, je crois que la littérature, c'était plus que aider à vivre. J'ai l'impression qu'il ne voulait, comme son ami Miller d'ailleurs, qu'il n'y ait pas d'hiatus entre la vie et la littérature. Ne peut être vécu que ce qui est également exprimé, quoi, d'une certaine manière. Et parce qu'il a commencé à écrire très très jeune, finalement. Il a écrit des poèmes à Londres, déjà quand il était adolescent, et ça n'a pas cessé. Parce que je vous pose cette question, parce que dans votre livre, vous racontez votre rencontre avec Lawrence Durrell, et c'est peut-être avec cette idée-là en tête que vous êtes allé le voir, c'était il y a déjà plus de 40 ans, cette idée que peut-être, même si vous n'en aviez pas conscience,
vous attendiez de l'écrivain qu'il vous explique ou qu'il vous montre une manière de vivre ? Oui. Oui, je pense que je m'étais attachée à... j'ai découvert, quand j'étais étudiante, tout de suite après le bac, cette galaxie Miller, Nin et Lawrence Durrell. Et au départ, j'ai pris un prétexte pour aller le voir. J'avais l'intention d'écrire une thèse sur Miller, plutôt, Miller et Anaïs Nin. Mais ce qui me fascinait, je pense que c'était tout à fait conscient, c'était que je trouvais que chez ces trois écrivains, ils avaient réussi à vivre aussi bien qu'à écrire, quoi. C'était l'anti-Flaubert, un petit peu. On n'était pas obligé de rentrer dans ce sacerdoce. Et en même temps, la littérature était quand même supérieure à tout. C'était la vie suprême. C'était le moyen aussi d'atteindre le sublime. Enfin, un mot qui compte beaucoup pour Durrell, hein, dont il se moque, mais qui prend très au sérieux, finalement. Et vous lui avez fait parler de ses morts préférées, de ses écrivains préférés. Ça, c'était peut-être pour le prétexte de la thèse. Je sais pas, on a surtout parlé, enfin je sais que c'est le livre, enfin mon propre livre s'ouvre là-dessus. Ce qui m'avait frappé, et c'est ce qui a déterminé ma quête d'aujourd'hui, c'était que j'étais à peine entrée qu'il m'a parlé de Darjeeling. Alors que moi, si j'étais allée le voir, c'était à cause de ce fameux Quatuor d'Alexandrie. Pour moi, c'était ça qui me faisait rêver. C'était cette ville d'Alexandrie. C'était encore plus que la Grèce à l'époque. Et finalement, il me parle de Darjeeling. Donc, j'ai été un petit peu presque très surprise. De Darjeeling et de ce qu'on y mange, c'est-à-dire de l'Indian curry. Ouais. C'est ce qu'il vous a dit en ouvrant la porte. Oui, en ouvrant la porte, il m'a dit « Aimez-vous l'Indian curry ?» avant même de me dire bonjour. Et il m'a tout de suite parlé de cette vue qu'il avait du dortoir de son pensionnat à Darjeeling, qui était la crête de l'Himalaya, c'était certainement pas l'Himalaya, qui se détachait sur le bleu du ciel. Et il vous a dit quelque chose qui ressemblait peut-être à ça. J'ai une bonne impression de vivre là-bas, à côté de Darjeeling, et des souvenirs inoubliables des Himalayas. Par exemple, dans le dortoir des garçons dans cette école où j'étais, on a vu trois fois par an Everest, ce qui est assez rare, mais tous les autres, Kanchenjunga et toutes ces grandes montagnes, étaient toujours là en se levant le matin. Je me rappelle, ils étaient assez stricts, mais très bonnes, ces jésuites. On se levait vers 5h30, 7h du matin, et on avait tout ce panorama des neiges. Et toujours Everest était couvert, mais deux fois par an, il y avait assez de soleil pour chasser les nuages, et on l'a vu, mais brièvement comme ça, comme un genre de déesse qui se manifeste. Entretien toujours avec Marc Aline, 1971. Donc le paysage, la vie de paysage, pour reprendre le titre de votre livre, c'est d'abord le paysage de son enfance et c'est le paysage de l'Inde. C'est le premier paysage, mais je pense que c'est dans cet entretien aussi, peut-être, je sais pas, ou par écrit, et qu'il dit « tout ce qui sort de moi est un paysage, nous sommes les enfants de notre paysage ». Et je crois que c'est né de ce paysage-là. Ça veut dire quoi, « tout ce qui sort de moi est un paysage » ? Tout ce qui sort de moi est un paysage, ben moi j'ai écrit tout ce livre pour essayer de comprendre cette phrase. Parce que je me suis dit, il disait ça, enfin moi je l'ai interprété comme ça, chaque fois qu'il veut écrire, finalement c'est toujours relié à un paysage, et on exprime toujours le paysage en quête duquel on peut se trouver, ou les paysages qui vous ont façonné. Même quand il parle d'amour, au fond il parle d'amour dans un décor, dans un paysage. Oui, parce que finalement, même le Quatuor d'Alexandrie, qui est peut-être son roman d'amour, enfin on peut le lire vraiment comme un roman d'amour,
il n'existe pas sans la ville. D'ailleurs, la ville, tout est faux, seule la ville est réelle, hein, je crois, que, quand il parle de ce quatuor. Alors, la première ville, pas tout à fait la première pour Lorenz Durrell, puisque la première c'est Jalunda, mais très oui, rapidement après sa naissance à Jalunda, la première ville, ça va être Darjeeling. On peut dire un mot peut-être de la famille de Lorenz Durrell. Ils sont installés depuis longtemps oui, en Inde. Oui, les parents n'ont jamais vu l'Angleterre. C'est vraiment des colons indiens, des colons anglais. Des pieds noirs. Des pieds noirs, oui. D'ailleurs, lui, il disait qu'il était pieds noirs. Et souvent, quand il avait une tendresse pour Camus, parce qu'il était pieds noirs comme moi, disait-il. Durrell est l'aîné, je crois. Enfin, il y a une frère, avant de quitter... Je crois qu'il est l'aîné, oui. Il est l'aîné, et après, il y aura une sœur et deux frères. Et ce Jalandhar, il l'a gommé de sa mémoire. Et Darjeeling, moi, j'ai découvert avec stupeur qu'en réalité, cette école qu'il décrit et cette vue, il n'y a été que un an et demi. Oui, c'est peut-être le moment de dire que vous avez pris l'avion, pas un, mais beaucoup d'avions, pour retourner vraiment dans les pas de Lorenz Durrell. Et donc la première étape, ça a été ce collège, lycée, ce collège jésuite de Darjeeling, et où j'avais l'impression, puisque j'avais vu qu'il y était arrivé en 1918, enfin les parents y étaient arrivés en 1918, j'ai vraiment, les registres sont très très bien tenus à jour, et Durrell est arrivé... il y est resté de 9 ans et demi à 11 ans. Quoi. Mais qu'est-ce que vous en avez appris finalement? Qu'est-ce que ce voyage vous a appris, la visite de ce collège? Parce que ça m'a appris, c'est surtout par rapport à sa mémoire et par rapport à ce que, à la manière dont on recompose sa vie en permanence. C'est il ne retient que Darjeeling alors qu'il a vécu plus longtemps peut-être pas Jalandhar, mais avant, je crois qu'ils ont fait une étape en Birmanie, je pense, et dans la plaine, et même après à Calcutta un petit peu, ils connaissaient tout ça, et il n'y a qu'une vue, et c'est ça qui déterminera, surtout dans la mesure où je pense que ça déterminera la suite, ça déterminera son amour de la Grèce et cette recherche de la lumière. Quoi. Pourquoi? Quel rapport finalement entre l'Himalaya et la Grèce? Moi, à part le bleu, c'est pour ça que j'ai écrit une page entière sur le bleu, parce que lui-même définit son paysage de Darjeeling comme du bleu sur du blanc, ou du blanc sur du bleu plutôt. Et en Grèce, il est vrai aussi que quelquefois, que ce soit à Rhodes ou même à Corfou, il sera, on peut voir les monts un peu l'hiver. Il y aura toujours quelquefois, il suffira d'un rien. Quand il est en Grèce en hiver, pour que dès qu'il y a trois morceaux de neige, trois flocons de neige, il est déjà de nouveau à Darjeeling. Alors, il faut dire que avec son père, ils ont et la famille aussi, bien entendu, déménagé plusieurs fois parce que son père construit des ponts. Son père est ingénieur. C'est un ingénieur. Il est très rigoureux. Et il s'est occupé, soit des ponts, soit des chemins de fer. Et il s'était même, je crois, occupé du toy train, ce fameux petit toy train qu'on peut toujours prendre d'ailleurs pour aller à Darjeeling aujourd'hui. Je propose de poursuivre dans la vie de Lorenz Durrell, qui va devoir bientôt quitter ce pays merveilleux de l'Inde. Mais c'était très long, voyez-vous, c'était presque 2 mois pour aller en Angleterre. Et puis à ce moment-là, il n'y avait pas des avions. Pour écrire même, il fallait envoyer en bateau, ça faisait quoi, un mois et demi, la réponse. Alors c'était assez brutal. Et d'abord sur le plan de la famille, ça a brisé notre solidarité. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard de tout ça. Hein. À ce moment, je l'ai accepté comme ça, pas comme une aventure, mais comme une punition. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait d'être envoyé en prison comme ça. Et j'étais un peu injuste vis-à-vis les Anglais parce que je ne peux pas vraiment dire qu'ils m'ont tourmenté, loin de là.
Mais quand même, psychologiquement, ça a joué beaucoup. C'était vraiment épouvantable. Et aussi le contraste entre les deux vies. Notre vie était très large, une vie un peu Tarzan, enfin. La vie en Angleterre était tellement étriquée, solennelle, pompeuse. Vraiment, comme quelqu'un jeune et énergique, j'étais à tous les points de vue bloqué. Alors naturellement, j'ai respecté, quand j'ai fait le carnet noir, j'ai attaqué les Anglais. C'est-à-dire, j'ai attaqué effectivement papa, parce que c'est lui qui a pris cette décision, et c'est pour ça que j'ai raté la plupart de mes examens. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Alors Béatrice Comanger, le retour en Grande-Bretagne, mais peut-on parler seulement de retour, puisque la famille, finalement, ne connaissait pas oui. L'Angleterre. Ce voyage est un déracinement. Il y a un mot qu'on entend là dans ce petit extrait, c'est fondamental. C'est un père inébranlable qui... Parce que je pense que sa mère était beaucoup plus... Il y a eu une confrontation là, un petit garçon devait faire ses études en Angleterre. Et je crois que ça a été terrible pour lui quand même. Il n'avait pas 12 ans. Et on l'a laissé tout seul là-bas. C'est terrible. Donc d'abord, la famille y va avec lui. Oui, pour l'installer. Pour l'installer. Et après, il est interne. C'est assez dur. Et là, il y aura quand même une petite lumière qui sera Shakespeare, qui sera les Élisabéthains, parce qu'il sera dans un collège qui est près de la cathédrale de Southwark, et où est enterré le frère de Shakespeare. Et là, il découvre les Élisabéthains. Il a quand même l'impression qu'il y avait dans cette Angleterre élisabéthaine une liberté. Parce que je pense que de toute façon, ce mot, c'est le mot qui recouvrira toute sa vie, quoi. Enfin, la quête de la liberté. Donc il n'a pas pour vous l'esprit anglais, si on peut parler ainsi? Il a l'humour, en tout cas. C'est-à-dire, c'est l'essentiel. L'esprit anglais, qu'est-ce que c'est? Moi, je prends le bon, et c'est-à-dire l'humour. Je sais pas. Il a aussi peut-être la retenue, d'une certaine façon. Et même là, il leur en veut pas beaucoup. Il veut simplement s'échapper. Il a la politesse, Il a la politesse. Il veut simplement, et il s'est échappé. Et il veut simplement s'en éloigner. Il y a de belles pages de Durell quand il raconte ce voyage et l'arrivée vers l'Angleterre. Il voit ses côtes et il les trouve extrêmement plates, extrêmement fades. Et il se rend compte, ou il pressent, qu'il ne va pas se plaire dans ce pays-là. Oui, parce que c'est justement, c'est peut-être là que l'apprentissage de la couleur... J'ai l'impression que sa vie partait du blanc et il arrive dans le gris. Et c'est assez terrible. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Notamment, il y a quelque chose de plus fondamental, je trouve, comme différence entre l'Angleterre. Il parle beaucoup de... En Inde, il y a une proximité de la mort. Alors qu'en Angleterre, on nie complètement la mort. Et ça sera très important pour la suite, parce que ça l'a beaucoup formé, ça, cette façon d'être familier avec la mort. Il y a de très belles scènes, hein, quand il voit son premier ses crémations à Calcutta. Mais la mort, il va l'appréhender assez jeune, avec la mort de son père. Oui, finalement, ce père inébranlable, il ne reverra pas. Alors on se trouve avec un jeune homme qui ne fait pas d'études, ne va pas à l'université comme l'aurait souhaité son père. Oui, il a passé, je crois, deux fois à Oxford. Il a toujours échoué, mais comme il dit, je crois qu'il ne voulait surtout pas faire plaisir à papa. Mais la mort de ce père va faire revenir la famille. Enfin, va faire revenir la mère. Entre-temps, il y a eu un petit frère qui sera donc Gerald Darrell, qui est plus célèbre. Une star que lui, en Angleterre. Plus tard. Et tout le monde va s'installer dans la banlieue de Londres. Ouais. Mais lui, à un moment, préfère aller à Bloomsbury parce que finalement, c'est la bohème. Alors, ça, voilà, quand il est un peu plus grand, il va à Bloomsbury, mais c'est là qu'il rencontrera sa première femme.
parce qu'à Bloomsbury, c'est là où on peut devenir écrivain. Sans dire un mot, j'avais fait taper mon premier roman. Et vous aviez écrit à quel âge ? 18 ans. 18 ans. Et je l'ai fait taper, j'ai regardé dans un annuaire l'adresse des agents littéraires. J'ai trouvé Spencer Curtis Brown, mon présent agent, c'était toujours là. J'ai lui téléphoné, j'ai dit je suis un schoolboy et j'ai fait un roman, je crois que c'est très bon, mais je ne sais pas comment le placer. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes pour me guider ? Il a dit, c'est très singulier, ok, venez demain. Alors, 6 mois après, le postier sonne à la porte. Nous étions tous, toute cette sacrée famille des trépanés, était autour du breakfast table en train de prendre le breakfast. Et le type arrive avec un gros paquet comme ça, adressé à moi, je prends ça. C'est les exemplaires, les 6 exemplaires pour l'auteur, vous savez. Alors, j'ai ouvert le paquet. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dit, c'est mon roman. Et j'ai mis ce paquet avec ces 6 exemplaires au centre du table. C'est exactement comme si, à Hiroshima, on avait laissé tomber une bombe. Patrice Comanger, évidemment, la chronologie n'est pas très facile avec Laurence Durel parce qu'il a dit beaucoup de choses, il a été lui-même dans une espèce de vague. Peu importe finalement, entre ses 18 et ses 23 ans, le moment où il part en Grèce, voilà, il y a eu un roman d'écrit, c'est déjà important. Quoi. C'est Pied Piper of Lovers, c'est celui-ci Oui, c'est Pied Piper le premier. Ouais. Et alors, pseudonyme de Charles Norden. Ouais. Ouais. C'est un livre que vous aimez, celui-ci ? Ce livre, je l'ai lu un petit peu, un peu comme un chercheur. C'est-à-dire que je me disais que, étant donné qu'il a écrit ce livre à 20 ans, ses souvenirs de Darjeeling étaient assez frais, et de l'Inde. Et donc, ce que je recherchais surtout avant, dans le livre, c'était des détails et des sensations qu'il avait pu éprouver et qui étaient quand même assez fraîches encore. Donc, je l'ai un peu lu pour ça et pour mon sujet. Autrement, comme livre lui-même, je ne le trouve pas très bon. Quoi. Mmh. Mais il y a des choses émouvantes. Il l'a renié d'ailleurs, plus ou moins, ce notamment livre. Il l'a renié, oui. Là, on l'a publié, il a été traduit il n'y a pas longtemps, on l'a traduit en France pour son centenaire en 2012. Mais oui, il ne voulait pas en entendre parler, lui, hein, ni du suivant. Ouais. En tout cas, vous l'avez emmené avec vous dans l'avion pour aller à Darjeeling. Toujours est-il qu'en 1935, il a 23 ans, c'est donc le moment où il décide de quitter cette Angleterre à laquelle il ne s'est réellement jamais fait, pour partir en Grèce. Pourquoi la Grèce, Béatrice Comanger ? Alors pourquoi la Grèce ? Il avait un ami qui lui avait dit, venez là, il n'y avait pas beaucoup d'Anglais en Grèce. Enfin, les Anglais ont toujours trouvé avant les autres les beaux paysages. Et donc, il avait un peu une invitation à Corfou. Et je sais pas, c'est ses intuitions, je crois, à la fois des hommes libres et des artistes. C'est le moment et ce qui fait qu'il est parti avec. Il emmène sa mère. Il emmène pas sa mère tout de suite quand même. Non, il y a une petite sagesse. Enfin, la sagesse, je sais pas si elle vient de la mère ou de lui, mais il part simplement avec sa femme. Parce qu'entre temps, quand même, il s'est marié. Oui, il s'est marié assez jeune. Voilà, il s'est marié à une étudiante en art. Et donc, ils partent tous les deux, et ils sont bloqués à Brindisi, je sais plus, il y a une grève, je sais pas, il est furieux parce qu'il lui tarde de voir cette Grèce qu'il va aimer de plus en plus et qu'il va tenter toute sa vie finalement de relier, et puis il y aura même des raisons historiques finalement, plus ça ira, plus il trouvera qu'il y a un lien réel avec Pythagore, entre l'Inde et la Grèce. Quoi. C'est vraiment ça, ça a été la quête de sa vie, de relier l'Orient et l'Occident. Donc la Grèce et les Grecs, c'est l'influence majeure, l'influence prépondérante pour Laurence Durel, Béatrice Comanger. Je dirais pas la Grèce et les Grecs, parce que
C'est très difficile de savoir si c'est quelle est la prépondérance de l'histoire ou de la géographie avec lui. Je crois qu'il y a un choc géographique. Il y a vraiment un choc de lumière quand il arrive en Grèce, avant toute chose. Et après, notamment puisqu'il s'installe à Corfou, qu'il appelle l'île de Prospero, hein, il écrira ce Prospero-Cell. Livre. Prospero-Cell. Et il veut absolument que ce soit l'île de la tempête de Shakespeare où les héros. On n'est pas sûr du tout, mais lui en est persuadé. Donc à ce moment-là, c'est pour lui la plus grande merveille quand la littérature et surtout les écrivains qu'il admire rejoignent ses sensations premières et sa prédilection. Donc il a décidé d'écrire et il va se mettre à rédiger ce qui va devenir le Carnet Noir, qui est un livre fondateur quand même pour Lorenz Duret. Tout à fait. Tout à fait, lui-même, c'est pour ça qu'il a renié les précédents. Hein. Ça commence à Gone, hein, le commencement. Et là, entre-temps, il y a quand même une rencontre décisive, qui est celle avec Henri Miller. Mm-hmm. Et c'est là qu'on, grâce à leur correspondance, on a vraiment... on sait un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie d'auteur, parce que là il dit tout ce que j'ai écrit c'est bon à jeter. Enfin là il sent un vrai début et curieusement il arrive pour écrire sur la Grèce et puis il y a cette Angleterre qui remonte et c'est tout ce livre sur le gris de l'Angleterre. Quoi. Parce que c'est quoi finalement ce carnet noir ? Ce carnet noir, ben c'est ce petit morceau de vie où enfin il a pris comme cadre l'hôtel Regina qui est rebaptisé, enfin, je sais plus si c'est maintenant que ça s'appelle Regina, enfin il y a avec la famille, avec des personnages un peu étranges et surtout c'est la mort anglaise quoi, c'est vraiment le livre de la mort anglaise. L'île du pudding. Oui. Comme il l'appelle. Il est allé en Grèce seul avec sa femme, vous l'avez dit, mais ensuite il a toute la famille, c'est quand même assez drôle, y compris donc ce fameux frère Gérald, qui est beaucoup plus jeune, qui a environ qui a 10 ans, ans voilà. Au moment d'arrivée. Il faut dire un petit peu qui est Gérald. Ah oui, parce que là, surtout enfant, Gérald a écrit ce « My family and other animals », Féerie dans l'île, ça avait été traduit sur... Mais ma famille et d'autres animaux. Ma famille et d'autres animaux. Et qui finalement, c'est certainement la meilleure description de leur vie là-bas, beaucoup plus que... Enfin, c'est la vie de la famille. Il est donc la famille arrive à peu près 3-4 mois après. Dorel et sa femme avaient une toute petite maison que j'ai vue qui existe encore. Et à ce moment-là, ils ont pris une maison beaucoup plus grande, mais où il a pas pu rester plus de 6 mois parce que il voulait écrire. Enfin, et c'est là qu'il a trouvé cette White House, la maison de Calamy, qui a été un vrai paradis terrestre. Alors le frère donc a écrit des livres célèbres, on le disait, en Angleterre. Et dans certains de ses livres, il parle de son grand frère en disant qu'il prenait des pauses, qu'il jouait au grand écrivain. Et ça aussi, c'est assez drôle de lire l'envers la légende finalement Lorenz Durrell. Bah, ça a l'air en même temps, c'est vu par un enfant de 10 ans. Enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à la fin, ils s'entendaient très très bien. Ils s'admiraient mutuellement. Mais surtout, ils n'avaient pas du tout la même... Le frère, il deviendra... Enfin, il n'y avait que les animaux qui l'intéressaient, les sciences naturelles. Hein, c'est tout à fait... Un destin différent. Alors, plusieurs événements qu'on n'a pas le temps de détailler se passent jusqu'en 1939, où on sent que la guerre approche. Et là, peut-être l'année d'après, peut-être en 40, il devient difficile de rester en Grèce. Dès 1939. Alors en 39, il y a cette magnifique visite d'Henri Miller. Ils se sont quand même rencontrés en 37 à Paris. Mais en 39, Henri Miller va voir Dorel pour fuir la guerre. Il passe plusieurs mois d'ailleurs. Il passe plusieurs mois là-bas. Et ça donnera donc le Colosse de Maroussi, hein, de Miller. Mais il y a ces nuages qui s'accumulent et
Et Durell qui commençait à être heureux de se sentir, il disait j'aime être un exilé, surtout être un exilé qui est envoyé vers le sud en général. Donc il se sentait presque coupable. Alors en 39, Durell a une conscience politique un peu plus développée que celle de Miller. Il a un petit peu de culpabilité au début, il veut presque s'engager, puis après quand il voit que ça va dans tous les sens, il est carrément un déserteur et du statut d'exilé, il devient réfugié finalement, parce qu'en 40, alors donc il est nommé, il donne des cours au British Council à Kalamata, et là il est obligé de fuir, et il prend le premier bateau, il arrive à Alexandrie. Voilà, comme ici à la Compagnie des auteurs, nous avons un sens consommé du suspense, eh bien nous allons raconter la fin de l'histoire juste après la chronique. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et dans Compagnie des revues, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marielle Massé, qui vient nous parler du dernier numéro de la revue Critique, en ce moment en librairie. C'est un numéro double, janvier-février, et son dossier est consacré à Giorgio Agamben. Bonjour Marielle Massé. Bonjour. Pourquoi consacrer aujourd'hui un numéro à la philosophie d'Agamben ? Alors, on avait une actualité critique, en fait, puisque tous les volumes de son grand œuvre, Homo Sacer, sont rassemblés et vont paraître dans quelques semaines. Il y a aussi une traduction de Qu'est-ce que la philosophie et d'un livre tout nouveau et singulier sur Polichinelle et sur Tiepolo. Donc, on a saisi cette occasion pour porter un regard plus général sur cette pensée. Alors, on quitte vraiment l'ambiance bleue et lumineuse de Durell. Agamben, ça reste l'Italie quand même. Ça reste c'est une Italie initiale qui va vers d'autres espaces. Agamben, c'est le philosophe de l'état d'exception, du dépassement du droit, de l'intervention du pouvoir dans la vie. C'est le penseur des vies sacrifiées, exclues, exilées. Et puis c'est aussi celui qui a célébré les noces de la philosophie et de la philologie, et qui, en faisant la généalogie des grands concepts, en repartant souvent du Moyen-Âge, touche à des interrogations et à des tourments parmi les plus actuels. Qu'est-ce que le pouvoir ? Quelle communauté espérer ? Comment nous relier les uns aux autres ? Comment être plutôt que faire ? Mais en fait, à vrai dire, on n'aurait pas eu besoin de cette actualité éditoriale pour honorer une pensée aussi fondamentale, et surtout pour prendre la mesure de sa présence qui est insistante, mais qui est aussi assez trouble, parce qu'Agamben est peut-être le plus lu des philosophes contemporains, ou du moins le plus cité. On le cite constamment, on le mobilise, on fait rayonner l'éclat de ses phrases, on fait entendre ce qu'elles ont de splendide et de médusant aussi. Mais on ne tente pas très souvent de le commenter ou de l'élucider ou d'en débattre, et on a tendance à se laisser enchaîner autant qu'enchanter par cette œuvre-là. Il est presque trop populaire. Alors justement, comment s'y prendre, Marielle Massé ? Comment vous y êtes-vous pris ? Alors on a tenté un autre effort très collectif, mais plus calme, plus patient, plus amical aussi peut-être, un effort de mise en débat. C'est une façon de demander à cette pensée souvent sidérante de répondre d'elle-même, de formuler ses espérances, ses conséquences, et notamment ses effets au regard de la politique et de l'histoire. Alors dans le numéro, Georges Didier-Huberman questionne par exemple les effets politiques de la pensée d'Agamben. Il se demande comment elle peut ou pas nous aider à essayer d'être libres, à savoir à quoi dire oui ou à quoi dire non. Et puis Judith Revel se demande ce que signifie la tentation qu'a eu Agamben de lire Foucault à l'ombre de Heidegger. Et puis pour elle, c'est une occasion d'élucider le rapport d'Agamben à l'histoire. Et puis plusieurs d'entre nous, philosophes comme Emmanuel Ecotch, historiens comme Jacques Dallarin, ou littéraires comme Martin Rueff, plusieurs donc reviennent sur les concepts centraux de cette pensée, et qui sont aussi des mots-clés en fait de la philosophie contemporaine, l'usage, les formes de vie, la règle, en tentant de les conduire au plus près des interrogations contemporaines, et souvent aussi en ferraillant avec eux.
Et puis dans ce numéro, Agamben lui-même nous a donné deux textes inédits sur sa méthode de lecture et puis sur son écriture. Et on y lit de très belles choses qui intéressent le lecteur que vous êtes, notamment lorsqu'il affirme, après Coleridge, qu'il est aussi important de comprendre l'ignorance d'un auteur que son intelligence, et que comprendre un auteur, véritablement, ça signifie comprendre aussi, ou peut-être même d'abord, ce qu'il n'a pas compris, ses limites, ses tourments, ses points d'opacité, mais aussi bien ce qu'il a choisi de laisser incompris dans son propre discours, ce qu'il sait très bien qu'il ne sait pas, et qu'il nous fait partager comme tel, et dont on peut repartir. C'est un très bel art de lire. Mmh. Alors finalement, vous concluez quoi à la fin de ce numéro? En fait, le numéro, il se suspend. Il se suspend sur un entretien entre Giorgio Agamben et Patrick Boucheron, l'historien du Moyen-Âge pour aujourd'hui. Ils ont ce Moyen-Âge d'aujourd'hui en partage. Et c'est un entretien qui s'est déroulé sans protocole, sans terme assigné. Il n'a été interrompu, à vrai dire, et toujours un peu dans la panique, comme tous nos travaux, par le bouclage du numéro. Et ils se disent des choses importantes, de belles choses, mais vous le verrez sans tout à fait se rencontrer, sans s'accorder. C'est passionnant, en fait, de voir se frôler deux intelligences de cet ordre-là. Donc c'est pas une conclusion, c'est un point d'orgue et qui résonne assez singulièrement. Voilà, et pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, la revue critique est en librairie. Laurence Durel, ça fait partie de vos lectures, Marielle Massé? Non, on en parlait dans les petits couloirs avec Béatrice Comanger tout à l'heure. Non, son bleu et le mythe qu'il représente plus que son texte, mais voilà, mais grande là, occasion. J'ai l'impression que ça se répond beaucoup. Comment être, c'est la phrase, ce serait quand même aussi Laurence Durel. Hein, c'est oui. Beaucoup plus être comment plutôt être, que faire, c'est ça. Être plutôt que faire. Hein, ouais. Merci Marielle Massé, à bientôt. Merci à vous. La compagnie des auteurs se promène toute la semaine en Méditerranée dans le sillage de l'écrivain anglais Laurence Durel. Je suis avec Béatrice Comanger qui lui a consacré récemment un livre intitulé « Une vie de paysage » publié aux éditions Verdier. On s'était arrêté avant la chronique à la fuite de Durel pour la Grèce. Voici la suite. Par rapport à la Grèce, qu'est-ce que l'Égypte a pu vous apporter de différent? Il y a bien sûr un esprit méditerranéen, sans doute, mais il y a autre chose. L'Égypte est beaucoup plus ancienne et aussi beaucoup plus désordonnée. On est dans la présence de quelque chose qui ressemble beaucoup aux Indes. Vous voyez ce que je veux dire? La Grèce, les marges sont relativement, les démarcations sont classiques, sont là, c'est exact. C'était un petit pays avec des frontières, tandis que l'Égypte, c'est le monde dans un sens, et c'est tellement désordonné, tellement sinistre. Sinistre. Oui, oh mon Dieu, les tombeaux partout. Alors, on n'est pas étonné de voir qu'ils mangent des momies anciennes égyptiennes, tafias, momies, comme un médicament spécialisé pour divination et tout ça. Enfin, c'est sans fin le côté nécromantique, etc., qui est vécu maintenant par les gens de la rue. En Égypte, enfin, c'est tout à fait, c'est comme Calcutta, c'est comme les Indes, enfin, c'est extraordinaire et c'est malsain. Donc l'Égypte, où est obligé de fuir Laurence Durel, finalement c'est un pays qu'il n'a pas tellement aimé comme ça, a priori, Béatrice Comanger.
Moi, je pense qu'il n'a, non, il l'a pas aimé, mais il, d'une part, parce qu'il n'avait pas choisi, hein, c'est quand même le, il est réfugié, quoi. Il descend du bateau, il attend, quoi. Il attend, on le nomme d'abord au Caire, et ce sont des couleurs tellement différentes. C'est de l'ocre rougeâtre, quoi. Il y a le bleu du ciel, quand même, aussi, non? Il y a un petit peu, mais quand même. Enfin, surtout qu'il commence au Caire, comme, et, mais ce qu'il y a d'assez remarquable, donc, puisque c'est de la guerre, alors lui, il est, je sais plus comment il dit lui-même, il est au service de la propagande anglaise, quoi, mmh. Ce qui fait qu'il est, ça n'intéresse pas tellement ce qu'il fait. Et bizarrement, comme souvent en période de guerre, il s'aperçoit, il crée une revue de poésie. Et parce que les gens en lisent et les gens ont envie de poésie, ont envie de littérature. Donc il y aura ce côté positif. Il y a une passion pour la poésie précisément à cause de la guerre. Oui, mais ça c'est assez connu. Hein. Parce qu'on ne peut pas sortir, donc finalement on s'évade dans l'art. Quoi. Et donc ça c'est assez... Alors, parallèlement à ça, malgré tout, la guerre aussi fera que la, ça peut, entre-temps, je crois qu'on l'a pas dit, en juin 40, il a une petite fille. Mmh. Et je me souviens qu'il écrit à Miller, je suis très content, mais je sais pas quoi en faire. Et parce qu'elle tombe là, comme ça, au milieu des bombes, à Kalamata, enfin, c'est terrible, quoi. D'ailleurs, et, cette petite fille qu'ils font passer en Égypte dans un panier en osier, oui, paraît-il. Oui, 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 dans un bateau la nuit. Il y a une très belle page, d'ailleurs, dans le, je crois que c'est dans Cléa, au début de Cléa, où le narrateur raconte un dernier repas en Grèce avant un départ pour l'Égypte. Oui. Je ne sais pas si vous avez en tête ce moment, mais en tous les cas, ça a l'air d'être quand même une expérience de la beauté. Oui, alors oui. Que lui, quand il en parle là et qu'il dit l'Égypte, c'est extraordinaire et c'est malsain, on a du mal à comprendre comment il peut avoir des sentiments aussi divers concernant l'Égypte. Non, mais moi je pense que l'Égypte, il y a eu du positif. Enfin, même dans dans les paysages, parce que une fois, je crois qu'il raconte une promenade le long de la mer et tout d'un coup il dit j'ai cru revoir la Grèce. Enfin moi pour y être allé, cette côte là, les couleurs sont vraiment pas les mêmes. La mer est carrément turquoise, ce qui est pas plus vilain, mais c'est tout à fait autre chose. Et il y a souvent des tempêtes de sable, enfin c'est tout à fait autre chose. Non mais là, alors la famille va éclater, il va se retrouver quand même tout seul à Alexandrie. Sa femme et sa fille, elles s'enfuient à Beyrouth parce qu'à un moment, il y a vraiment la guerre qui se déclare. Je sais pas, il y a une journée terrible au Caire où tout est jeté par les fenêtres, en fait, toutes les archives. Et là, la femme en profite pour partir. Et donc lui se retrouve seul à Alexandrie et là, le roman est en train de naître. Là. Il s'écrira que 10 ans plus tard, mais il sait qu'il écrira ça. Et puis, il y a beaucoup de femmes. Et le personnage... Et la femme. Voilà, la femme qui deviendra le personnage de Justine. De Justine, oui. C'est Eva Cohen qu'il rencontre à Alexandrie et qui deviendra sa femme. Et qui deviendra sa deuxième femme. Et qui est un mélange, enfin, qui est pure alexandrine, quoi. Attends, j'ai la page, là, parce que je trouve que c'est trop beau ce qu'il écrit à Miller. Un cul venu d'Alger, des cils de Malte, des ongles et des orteils de Smyrne, des hanches de Beyrouth, des yeux d'Athènes et un nez d'Andros. Ça, c'est sa femme. Voilà, sa femme. Mais bon, ce sera un mariage assez difficile, quoi. Il y aura un enfant qui naîtra après la guerre, heureusement. Mais après, elle tombera assez malade, elle était assez dépressive. Enfin. Et vous êtes allée voir la villa, Laurence Durel? Oui, je suis allée voir la villa. C'était dans les années, parce que c'était bien avant que je fasse ce livre. Et je me demande ce qu'elle est devenue. C'était dans les années, quand on a découvert les sculptures là dans le port d'Alexandrie. Ça devait être 98, quelque chose comme ça. Et il était question de la détruire et il y avait un vieil égyptien devant la porte dans un vieux fauteuil et qui gardait et puis il disait, mais je comprends pas.
on pourrait construire tellement d'appartements, vous voulez garder ça. Et c'était une villa, de ces très belles villas de bourgeois italiens, plutôt le quartier italien. Et lui, il avait une petite tour, j'ai pu rentrer, il m'a laissé rentrer, c'était assez dangereux parce qu'elle était vraiment en ruine. À mon avis, elle a été détruite, quoi. Je m'en suis pas renseignée. Donc, l'Égypte dure un temps, mais la guerre aussi, même les mauvaises choses ont une fin. Oui. Et il repart à Rhodes. Et là, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance parce qu'il est nommé administrateur des îles du Dodécanèse. C'est comme un rêve, ça. Ouais. C'est comme un rêve. Il faut qu'il, lui qui est islomane, hein, il a inventé ce mot d'islomania. Il passe 2 ans là, à aller d'île en île, mais le port principal, c'est Rhodes. Donc il reste à Rhodes et là il essaye de commencer ce Justine, parce qu'il appelle Justine au début. Donc le début du Quatuor d'Alexandrie. Le début du Quatuor d'Alexandrie, mais ça ne marche pas vraiment. Il faut dire qu'il a beaucoup de travail. Il sera aussi directeur du bureau d'information à Chypre. Parce que mais ça, c'est beaucoup plus tard quand même. Oui, mais alors on ne peut pas non plus mais il faut dire rappeler peu... l'Argentine, voilà, Belgrade, en 2 minutes, voilà, c'est ça. Venise. Voilà, entre. Ce qui, justement, il est un peu perdu, c'est-à-dire qu'il veut aller loin. Et il demande le plus loin possible et on lui offre l'Argentine. Et ça, alors, autant l'Égypte, c'est beaucoup plus ambigu, son sentiment pour l'Égypte. L'Argentine, il détestera réellement. Ce qui fait qu'il se fera rapatrier, quitte à ne pas avoir de poste. Et après, il y aura un intermède en Yougoslavie. Dès qu'on est libre de cette épouvantable obsession d'aller au bureau ou d'entendre la radio, parce que moi j'étais un chef de radio aussi, vous savez, très inquiet pour les nouvelles et tout ça. Bon, évidemment, c'était une position de grande responsabilité morale et quand la presse a envoyé la dernière dépêche, le soir c'était vers minuit, pour les journaux à Londres, c'était essentiel de savoir ce qu'ils pensaient sur une situation telle qu'elle, Yougoslavie, Chypre, etc., et d'informer le gouverneur immédiatement qu'il sera attaqué dans le Times le matin ou non. Et puis à minuit et demi, je suis couché, mais à 7h du matin, j'étais debout parce que le bureau et tous les services commençaient vers 7h30. Alors dès que j'ai arrivé de me libérer de cette question-là, j'ai adopté le principe que d'ailleurs T.S. Eliot un jour, m'a dit qu'il faisait la même chose quand il était dans une banque à Londres, oui. Vous savez. Alors, il se levait à 7h, il arrivait au bureau, tandis qu'ils étaient en train de laver les pavés. Alors, comme ça, il m'a dit, j'ai toujours 3/4 d'heure tranquille pour la poésie, avant que la vie commence. Donc le succès, Béatrice Comanger, vient assez tard, alors avec le Quatuor d'Alexandrie, c'est ça? Mais là, c'est vraiment beaucoup plus tard. Parce que donc, en 1953, après tous ces essais donc infructueux, surtout en Argentine, et après ce poste qui donneront des livres assez drôles, hein, sur sa... Citron acide. Ça c'est Chypre. Non, à Belgrade, là, sa carrière de diplomate, là, il y a 2-3 livres assez drôles. Mais ça, c'est des livres, je sais plus comment il dit, qu'il écrit d'une main, de la main gauche, quoi, presque, hein. C'est pas de la littérature pour lui. Mais il en a assez de ne pas vivre entièrement de sa plume, quoi. Et à un moment, il décide vraiment, de partir, de tout quitter et de vraiment s'en aller. On lui offre quand même Chypre, donc il y aura quand même une petite assise financière. Et parce que Chypre, c'est un petit peu la Grèce. Et là, ce sera une expérience importante puisque c'est là qu'il commencera le Quatuor à écrire, et simplement en 1956. Hein.
Donc, mais le Quatuor, étrangement, il a été écrit, ces quatre volumes, en 3 ans et demi. Enfin, c'est extraordinaire. Mais à partir de quand la reconnaissance arrive-t-elle? La reconnaissance, elle arrive tout de suite après le premier tome, après Justine. Après Justine, Justine est un succès considérable. Mais ça le brise pas, il continue, il a en tête cette forme de quatuor. Et donc entre 1956 et 1959, quoi, 60. Alors sur le plan personnel, ça alors ne va là pas aussi, toujours c'est très la, bien. C'est la meilleure. À Chypre, il fera la connaissance d'une Alexandrine. Enfin, je pense qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés à Alexandrie, mais c'est peut-être un peu pour ça qu'ils se sont retrouvés à Chypre. Et là, c'est la femme la plus importante de sa vie. C'est vraiment un accord, quoi. Et malheureusement, Claude Vincendon, hein, elle s'appelle, elle est française, mais d'Alexandrie quand même. Et elle est écrivain, donc ils travaillent tous les deux, ils boivent bien tous les deux. Et il y a un vrai bonheur. Il y a un vrai bonheur pendant une dizaine d'années. Donc c'est la troisième femme de Laurens Durrel, oui. La deuxième avec qui il a eu donc une deuxième fille, Sappho, va faire une dépression nerveuse, rentrer en Angleterre et il se sépare de cette manière-là. Il se sépare et au tout début, c'est lui-même qui s'occupe de la petite fille de Sappho à Chypre. À Chypre, il y a quand même 3 ans. Très important, parce que il serait resté à Chypre. Parce que, autant au début, il trouve que l'île a quelque chose de maléfique, mais peu à peu, à cause d'un paysage, là aussi, vraiment le paysage de Kyrenia et de, surtout l'abbaye de Bellapé, c'est tout un mélange de Canterbury et de Dardieu. Enfin, je sais pas, il aime beaucoup Chypre et sa maison des citrons acides. Mais malgré tout, avec Claude Vincendon, qui est donc française, ils vont s'installer en 1956 dans le Gard. Oui. Et à partir de là, il ne bougera plus de Sommières jusqu'à la fin de sa vie. Les dernières années, qui sont de longues dernières années, hein, 35 très ans. Très longues, mais justement, c'était très étrange quand j'ai dû un peu composer le livre. Je me suis aperçue que, donc en 66... ça a été une mort brutale et absolument imprévue de Claude, d'un cancer. Et il restera de 66 jusqu'en 90, dans cette maison qui était aussi un petit peu... Ils allaient s'installer, ils n'ont même pas eu le temps de l'habiter. Il ne s'en remettra jamais vraiment ? Non, pour moi, il ne s'en remettra pas du tout. Il écrit le quintet quand même. Il écrit le quintet. Donc le quintet d'Avignon. Le quintet d'Avignon. Et à la fin, il veut faire son hommage à la Provence, comme il avait fait son hommage à Corfou, à toutes les îles. Parce qu'il y a un livre qui est très beau sur Rhodes aussi, qui est Vénus et la mer. Et il a, avec les gens de Sommières, une relation très agréable et en même temps très proche. Oui. Il y a vraiment un enracinement pour cet homme qui n'a cessé de bouger dans sa vie dans ce le sud résident. De la France. Et oui, il y a vraiment un enracinement parce qu'il aime bien jouer avec les mots. Comme ça, il est passé de l'exilé au réfugié et là, il dit « je suis résident ». Résident pour la première fois. Et il en est très heureux. Et il est vraiment résident. Il est vraiment résident. Et alors cette maison de Sommières, puisque pour vous les lieux sont importants. Oui. Cette maison de Sommières, ce qui est très curieux, c'est qu'on dirait elle ressemblerait plutôt, comme ça à première vue, à sa maison d'Alexandrie. Vous savez, ces grosses maisons bourgeoises de notaire, un peu, qui est pas très belle. Et il y avait une véranda qu'il a appelée tout de suite la Darjeeling Room. Parce que elle est au milieu d'un jardin avec des très grands arbres. Il y avait un côté jungle. Enfin, moi, quand j'y suis allée, c'était très étrange. On voyait qu'il s'occupait absolument pas de ce jardin. Donc, la maison était carrément enserrée par la forêt presque. Et c'est là où le 7 novembre 1990, Laurens Durrel disparaît. Oui. Vous vous souvenez? Vraisemblablement de ce jour-là. Je me souviens de ce jour-là, oui, parce que c'est tombé. J'étais allée le voir pour des raisons complètement différentes, mais en 1989, j'ai écrit un livre sur Henri Miller,
Je l'ai finalement écrit, ce livre sur Henri Miller. Qui était finalement la première raison de votre rencontre. Qui était finalement la première. Et là, j'avais même passé plusieurs jours enfin à Sommières. C'était au moment, je me souviens, de Gorbatchev. Il était très intéressé par la situation internationale. Et il disait, pourvu qu'il arrive rien à Gorbatchev, je me souviens. Et il était vraiment très... très tendre, enfin, je sais pas. Il y avait vraiment quelque chose de... Bon, en même temps, il avait repris l'alcool. Il avait terminé son... Il était en pleine rédaction de César, là, l'ombre de César, son livre sur la Provence. Et il me disait, je veux finir ce livre, je veux finir ce livre. Il l'a plus ou moins fini. Merci beaucoup, Béatrice Comanger, d'être venue nous parler de la vie, des voyages et des paysages de Laurens Durel, à propos duquel vous avez donc écrit cet ouvrage paru en 2016 chez Verdier, intitulé « Une vie de paysage ». Demain, c'est avec Corinne Alexander Garner, enseignante à l'université Paris-Nanterre, que nous continuons notre série durélienne. Au menu notamment, ses liens avec Henri Miller, on a commencé d'en parler aujourd'hui et nous poursuivrons, et son univers qu'il a appelé héraldique. Mais tout de suite, on la compagnie des auteurs avec son indispensable équipage, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Gauthier Amiel, réalisation Laurence Millet, à la console Alexandre Dang. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième moment de notre série consacrée à un écrivain anglais qui a passé toute sa vie ou presque à l'étranger, Laurens Durel. Enfin, je dis à l'étranger, mais la notion d'étranger est finalement assez inopérante dans le cas de Durel. Étranger de quoi, en effet? De la Grande-Bretagne? Sans doute pas, car il est né en Inde et n'était pas tendre, avec ce qu'il appelait l'île du pudding, dont il supportait mal le côté compassé qui tranchait avec ses manières d'enfant libre de Darjeeling. Étranger, il l'a donc été tout autant en Angleterre qu'en Égypte ou en Argentine. Et c'est peut-être finalement la Grèce et la France qui furent, c'est vrai, chez lui. Comme nous l'avons vu hier lors de notre traditionnel parcours biographique, c'était avec Béatrice Comanger. Une œuvre domine l'ensemble de son travail, c'est le Quatuor d'Alexandrie, tétralogie qu'il a fait connaître et dont nous parlerons en détail jeudi avec Eglal Herrera, qu'il a adapté pour la radio. Ce sera l'occasion d'écouter aussi quelques extraits de cette adaptation. Et puis demain, c'est de Durel, poète, dont il sera question, à la fois l'auteur de vers, mais aussi le romancier, au style bien souvent lyrique. Ce sera avec l'universitaire Isabelle Keller-Priva. Et aujourd'hui ? Mon invité d'aujourd'hui est professeur en langues et littérature anglaise et anglo-saxonne, directrice du centre de recherche Espace Écriture de la bibliothèque Laurens Durel, qu'elle a fondée elle-même à l'université de Nanterre et qui contient une bonne partie du fonds de l'écrivain. Elle a écrit de nombreux textes à son sujet, mais pour le grand public, signalons son très beau livre paru en 2012 dans une coédition Vuitton, La Quinzaine littéraire, une sorte de livre bibliothèque intitulé « Dans l'ombre du soleil grec » et dans lequel elle a rassemblé différents extraits d'ouvrages de Durel qui forment une biographie sensible et littéraire. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. J'étais toujours bouffé par l'ennui.
Et j'ai réalisé que j'étais un type très suicidaire dans le fond du tableau. Et que c'était très difficile à m'intéresser en quelque chose, de me garder un petit peu en vie encore. Alors j'ai entamé ce jeu avec ces formes artistiques, un petit peu avec, comme des bulles de savon. Des bouées. Oui, de me garder, de garder un peu d'intérêt, parce que je suis agonisé par l'ennui. Et quand je regarde la vie en face, l'horreur, le manque de sens, c'est absolument accablant. Entretien avec Bruno de Cessol en 1986. Bonjour Corinne Alexandre Garner. Bonjour. Vous retrouvez le Lorenz Durrell que vous connaissez. Oui, dans ses propos. Me fait sourire. Pourtant c'est triste ce qu'il dit plutôt. Oui, mais c'était un tendre mélancolique, plein de sens de l'humour. Et il parle d'ennui, moi je dirais plutôt de mélancolie et de désespoir. Et c'est ce qu'il faisait écrire. Tout en sachant qu'on ne peut écrire ni sur l'amour, ni sur la mort, ni sur l'expérience poétique, que les mots sont inadéquats. Et pourtant, c'est dans les mots qu'il a tissé son pays et son paysage. Vous disiez hier que c'était un exilé, un réfugié, puis un expatrié, c'est-à-dire un homme de l'ailleurs, un homme de différentes langues, de différents pays. Et c'est l'écriture, finalement, qu'il a toujours tenu ensemble, on pourrait dire. Alors, vous l'avez rencontré en 1984, alors qu'il venait de publier « Sébastiane ou les passions souveraines ». Vous vous souvenez de cette première entretien, cette première entrevue ? C'était une belle rencontre qui ressemblerait à celle qui a été décrite hier par Béatrice, puisque j'ai aussi été... Il vous a demandé, si vous vouliez, de l'Indian Curry ? Absolument. Ah. Et c'était délicieux. Et puis on a commencé à parler, et je l'ai revu ensuite régulièrement à Paris ou à Sommières. Et nous avions le projet, à un moment donné, il m'avait demandé d'écrire un livre qui expliquerait son œuvre au public anglais, qui finalement l'a toujours, d'une certaine façon, détesté, alors qu'il était bien reçu en France, aux États-Unis. Et je pense que voilà, ce livre, Dans l'ombre du soleil grec, c'est d'une certaine façon cette écriture à quatre mains que nous avions prévu de faire ensemble. Le problème, c'est qu'il avait disparu. Il n'y a pas de recherche universitaire en Angleterre sur Lorenz Durrell ? Il y a des chercheurs aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis qu'au Canada qui travaillent sur Lorenz Durrell aujourd'hui. Et puis en France, nous avons la chance d'avoir Isabelle Keller-Privat qui travaille sur la poésie et que vous recevrez demain. Voilà. Et vous avez une bonne partie, je le disais, du fond Lorenz Durrell. Absolument. Alors ça, c'était une aventure absolument extraordinaire parce que c'est très rare qu'une université française achète un fond d'écrivain. Le problème après, c'est qu'est-ce qu'il va devenir. Donc on a eu beaucoup d'universitaires étrangers qui sont venus travailler. Et c'est vrai que c'est une source de recherche extraordinaire. Mais alors, quand vous l'avez rencontré en 1984, quelle était sa notoriété? Quelle était son image? Car aujourd'hui, Lorenz Durrell a un petit peu disparu quand même du paysage littéraire. Peu de jeunes gens le lisent. Qu'est-ce que ça voulait dire que de rencontrer Lorenz Durrell à l'époque ? Alors c'était très surprenant parce qu'en fait je l'ai rencontré après avoir terminé ma thèse. Je lui ai envoyé ma thèse qui était terminée et je reçois par retour du courrier une petite carte « Venez déjeuner chez moi demain ». J'habitais loin, j'habitais Paris, il était à Sommières, donc le temps de prendre un billet de train et j'étais là pour le rencontrer. Et voilà, ça a été extraordinaire. Mais ce qui est dommage, effectivement, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, moi, j'ai fait lire en particulier Justine à des étudiants de Nanterre il y a quelques années. Et on se rend compte que c'est un livre qui parle toujours à la jeunesse. Parce que c'est un livre intemporel ? Moi, je pense que c'est un livre intemporel. C'est un livre, encore une fois, qui parle de la quête de soi, de la recherche de soi, de l'amour. Et qui ne pourrait pas, vous voyez, serait désintéressé par ce type de sujet. En dehors du fait que c'est une magnifique histoire d'espionnage. Qui tient le lecteur en haleine. Alors, les thèmes, justement, pérennité du désespoir, irréductibilité du langage, hein, je vous cite, impénétrabilité de l'art, insipide de l'amour. Bon, tout ça, c'est des mots. Qu'est-ce qui... Ça ne donnerait pas envie de lire un livre. Alors, comment donner envie de lire et comment raconter ce que sont les thèmes de Lorenz Durrell ? Si je vous disais... La vie, l'amour, la mort, ça donne envie de lire, quel que soit l'auteur, surtout s'il sait... Il fallait l'écrire comme ça, alors.
Oui, mais on ne choisit pas toujours ce qu'on met sur la quatrième de couverture, comme vous le savez. Et ce qu'on pourrait dire pour tenter les gens, c'est leur dire vraiment un magnifique roman d'espionnage et d'amour dans une ville que l'auteur a détestée. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'un auteur, comment est-ce qu'un écrivain, comment est-ce qu'un artiste transforme une réalité qu'il déteste, qui le rend triste, en une image absolument lumineuse. Et c'est ce qu'il a fait dans le Quatuor. On pourra développer ce point un peu plus tard. Un mot qui me semble regrouper tout de même assez bien les thématiques de Laurence Durrel, c'est le mot de sensualité. Vous seriez d'accord avec ça ? Oui, je serais d'accord avec ça, en disant que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui attire le lecteur dans le texte. Alors on pourrait parler de la sensualité de la lumière, il y a une sensualité du texte, des rythmes. Et puis bon, bien sûr que dans les histoires d'amour qu'il décrit, il y a une véritable sensualité. Et toute jeune personne, j'allais dire, qui lirait ce texte, encore une fois, dans le Quatuor, on parle des cinq sexes à Alexandrie, c'est-à-dire toutes les formes de l'amour. Donc d'une certaine façon, il y en aura pour chacun d'entre nous. Et puis, autre constante, c'est le génie des lieux. Évidemment, le voyage est très présent, mais les lieux ont à la fois cette face très lumineuse et cette face très sombre. Ça, c'est une constante également de Laurence Durrel. Comment décrire ce génie des lieux tel que lui-même le met en scène ? Alors, il avait une espèce de théorie sur le paysage, hein, quand il disait « nous sommes les enfants de notre paysage », c'est-à-dire que nous sommes tous pris dans le paysage que nous représentons, mais surtout, je crois que c'est une façon de parler d'autre chose, c'est une façon de parler de comment l'homme est pris dans la cosmogonie dans laquelle il est. Donc, d'une certaine façon, il y a une théorie philosophique qui se cache derrière ces paysages sensuels, magnifiques, qu'il nous présente, que ce soit à Alexandrie, que ce soit à Corfou surtout. Mais ce qui est intéressant, vous savez, Corfou, les îles grecques, on se souvient de la couleur bleue. Mais ce bleu magnifique, finalement, c'est pas tellement la couleur, c'est cette espèce d'iridescence de la lumière qui le rapproche d'un pays imaginaire qu'il appelle le Tibet, dans lequel il a jamais vécu, et qui représente l'enfance. C'est-à-dire, c'est quelque chose de complètement imaginé, réinventé, consolant d'une certaine façon, qui représente la création, qui représente l'espoir de la créativité. Et donc cette cosmogonie, comment pourrait-on aller plus loin en la décrivant et en l'analysant ? On pourrait dire que c'est quelqu'un qui est vraiment indien. Comme Miller, il se retrouve dans l'Orient, dans cette notion du moi qui est complètement fondu avec l'environnement. Il récuse complètement cette notion d'ego, de l'homme qui serait séparé du monde environnant. Et tout au long de son œuvre, c'est cette chose-là qui va finalement se tisser dans ses écrits. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70 ou 80, quand il écrit « Le sourire du Tao », il arrive à retrouver un texte qu'il a écrit à 20 ans. C'est-à-dire, c'est un génie précoce. À 20 ans, il parlait déjà de Lao Tzu, du Tao, et de cet univers qui semblait le porter. À tel point qu'il a écrit très jeune, à T.S. Eliot, la structure générale qu'il voulait donner à son œuvre. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Comment peut-on, alors qu'on n'a pas encore commencé réellement son œuvre, en connaître déjà, à l'échelle d'une vie, la structure ? Je trouve ça tout à fait étonnant. Parce que quand il écrit à T.S. Eliot, il a 33 ans. Et il annonce le Black Book, enfin le carnet noir, le Quatuor d'Alexandrie et le Quintet d'Avignon. Et il voit déjà comment tout ça va s'imbriquer. Le carnet noir, c'est quelque chose d'assez expérimental. Les thèmes sont déjà présents. C'est la jeunesse aussi, c'est une forme d'autobiographie des troubles et des difficultés de la jeunesse. Tout à fait. Et on sent qu'il cherche une forme pour l'écrire. Il ne l'a pas encore trouvée. Dans le Quatuor, on pourra dire qu'il commence à l'avoir trouvée. Ce qui est intéressant, c'est donc que ces thèmes vont être tissés. Et d'ailleurs, dans le carnet noir, il utilise une exergue tibétaine déjà. Ou un exergue tibétain, je ne sais pas. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire de voir comment tout ça va se tisser, mais comment c'est, d'une certaine façon, l'écriture qui va se modifier. Et comment on va passer de cette écriture expérimentale
dans le quatuor à ce que Miller a appelé un grand poème en prose à la ville, qui est Alexandrie, qui n'est pas Alexandrie, et comment ça va se transformer dans quelque chose de très différent dans le quintet d'Avignon. Donc ça veut dire qu'elle avait la prescience du chemin qu'il allait parcourir, qui est peut-être le chemin que tous les hommes parcourent finalement aussi. Moi je trouve ça très étonnant. C'est vraiment très étonnant. C'est un petit peu le problème des génies précoces. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils vont faire, et d'une certaine façon, est-ce qu'ils ne vont pas épuiser leur talent et leur poésie? Et je pense que c'est ce qui pose éventuellement les problèmes des deux derniers ouvrages. Écoutez la compagnie des auteurs. Nous parlons de Laurence Durrell avec Corinne Alexandre Garner. Alors, on ne va pas reprendre avec vous le parcours biographique. On l'a déjà fait hier avec Béatrice Comanger, mais tout de même, précisons quelques petits points et notamment le rapport de Laurence Durrell avec sa propre histoire. On peut dire qu'il s'est construit une légende, qu'il a pris beaucoup de liberté avec la réalité, Corinne Alexandre Garner. Absolument. Déjà, il aimait bien raconter qu'il était né au pied de l'Himalaya, ce qui est complètement faux. Et vous y avez cru d'ailleurs, au départ, comme beaucoup de gens. Absolument, je crois bien que c'est ce que j'ai écrit dans l'Encyclopédia Universalis. Exactement, dans l'Encyclopédia Universalis, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait piéger finalement par la légende de Laurence Durrell, c'est ça? Oui, mais elle est tellement plaisante. Qui ne se laisserait pas prendre. Mais en fait, on peut se rattraper en disant que, bon, il nous rappelait que chaque être humain a deux lieux de naissance. Donc celui où il est vraiment né, pour de vrai, donc pour lui c'est une petite ville près de Lahore, et puis celui où il a trouvé sa voie. Alors on pourrait croire que c'est Corfou, parce qu'il dit c'est à Corfou que j'ai trouvé ma voie. Moi je pense qu'il a un troisième lieu de naissance, on pourrait dire que c'est son lieu de naissance héraldique ou son lieu de naissance inventé, et c'est le Tibet. Et c'est ce Tibet un peu mythique. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant qu'il appartient à une cosmogonie comme ça qui le porte. Mais pourtant, il ne revient pas tellement au Tibet. C'est une métaphore, le Tibet, d'une certaine façon. Hein. C'est une métaphore pour le monde oriental et pour cette philosophie à laquelle il va s'identifier. Ce Tibet est présent tout le temps, j'allais dire. Par exemple, dans le yoga qu'il pratique depuis son plus jeune âge, mais qu'il va pratiquer jusque quasiment ses tout derniers jours. L'Inde, qu'il appelle d'une certaine façon le Tibet, de façon métaphorique, est toujours là avec lui. Et à la fois, quelquefois, il compare l'Égypte à l'Inde. Et on sait que son rapport avec l'Égypte, on en parlera si on a le temps encore aujourd'hui, est plutôt conflictuel. Il n'aime pas tellement, au fond, l'Égypte. Et pourtant, il le compare à l'Inde. Alors, on a du mal à comprendre, finalement, la place de cette enfance indienne qui semble être totalement fantasmée à un moment donné et ne plus du tout avoir aucun lien avec la réalité. Alors, il a détesté l'Égypte. La seule chose qui lui fait aimer l'Égypte, c'est de se dire, comme avait dit Foster juste avant lui, que beaucoup de penseurs indiens étaient passés par l'Égypte et que beaucoup de penseurs... C'est-à-dire qu'il y avait un vrai lien entre les penseurs égyptiens et indiens et ils revenaient à Plotin. C'est assez intéressant de penser que c'est par la philosophie qui fait ce lien entre l'Égypte et l'Inde. Parce que les paysages égyptiens, il n'a pas aimé. Alexandrie, il a détesté. C'est le désert, en fait. C'est le désert. Alors, moi, je me suis rendu compte d'une chose parce que je me posais la question hier. En fait, il n'a aimé que les territoires où la montagne tombe dans la mer, d'une certaine façon. Il a aimé, quand il était à Belgrade, parce que il voyait des montagnes autour de Sarajevo. Par contre, Belgrade, il aimait déjà beaucoup moins. Donc, je crois qu'il y a cette espèce de contraste dans la nature qui lui fait se sentir chez lui. Ça lui rappelle les images de l'Himalaya. Alors, biographie enjolivée, est-ce qu'il a enjolivé également sa rencontre et son amitié avec Henry Miller? Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que quand on relit la correspondance, et alors je ne pourrais que dire aux gens, il faut lire cette correspondance, c'est merveilleux. C'est-à-dire, ça commence quand il a à peine 20 ans, Miller en a 20 plus, et c'est une auto-découverte de l'un et de l'autre, et ils se donnent mutuellement le courage
d'enfin pouvoir écrire. Elle est disponible aux éditions Buchet-Chastel. Absolument. Et c'est merveilleux. Et c'est donc une correspondance qui va durer depuis donc les 20 ans de Durel, je dirais que Miller en avait 40, jusqu'au décès de Miller. Alors je vous propose d'en écouter justement un extrait. Cher Henry, magnifique que The Booster marche aussi bien. J'ai les articles suivants à proposer pour des numéros futurs. Premièrement, un article de Potocki prouvant que Bach était un Potocki. Deuxièmement, un poème en urdu par Mulk Raj Anand, célèbre romancier indien qui dit que si vous lui envoyez vos livres, il en rendra compte dans Life and Letters, très intéressé par votre œuvre. Un type bien. Troisièmement, un poème en zoulou et un autre en swahili par Holland. Quatrièmement, et écrit à Zarian pour un poème en arménien et à Stéphanides pour un poème grec. J'ai rencontré Eliot, un homme très charmant, aussi surprenant que ça puisse paraître. Reçu un mot très impertinent de Shaw pour me dire que Tropique doit attendre son tour, ce qui peut prendre quelques mois. Alors je lui écris pour lui demander de me renvoyer mon unique exemplaire à ce vieux renard. Trevelyan est absent, merde. Je vois McCarthy mercredi au sujet de Tropique, qu'il n'a d'ailleurs pas encore lu. Pringle est en train de lire Max. Ellis et Eliot m'ont dit qu'ils jugeaient prématuré de se battre contre la censure pour Tropique pendant les 5 ans à venir, au cas où vous perdriez le procès. Lettre suit. Larry. Extrait donc de cette correspondance Durel-Miller par Mathieu Lagaric. Ça ressemble au ton général de la correspondance qu'on vient d'entendre, Corinne Alexandre Garner. Alors c'est moins exalté que les premières lettres. Les premières lettres sont absolument extraordinaires de cette exaltation et de cet espoir de devenir écrivain. Avec Durel qui a 23 ans. Hein. C'est ça. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans cette lettre, on entend parler de la constellation littéraire qui entoure Durel. Il a 23 ans et il va voir tous ces grands écrivains pour les solliciter, pour qu'ils lui donnent un poème, un article, enfin quelque chose pour le booster. Et donc le voilà pris dans un univers incroyable qu'il rencontre quand il vient à Paris en 37 ou 38 et que Henri Miller et Anaïs Nin l'attendent sur le quai de la gare. Alors on va y venir, mais il faut d'abord expliquer que c'est Tropique du cancer, le livre de Miller, qui va donner envie à Durel de lui écrire. Et d'abord, ils ne vont faire que correspondre. Alors c'est ça, ils vont correspondre pendant un petit peu de temps, ils vont s'envoyer aussi leurs textes Durel va écrire pour Anaïs Nin deux tout petits textes. Anaïs Nin qui était la compagne de l'amante de Miller. Ils se retrouveront à Paris et ce sera tout à fait intéressant. Mais ces premières lettres, c'est vraiment des échanges. Alors d'abord, la reconnaissance d'un auteur par l'autre autour du Tropique. Et puis ensuite, Durel va envoyer lui-même des textes. Et puis, c'est une amitié littéraire extraordinaire. Et surtout, un échange autour de leur lecture. Et ça ne s'interrompra jamais. Mais qu'est-ce qui, dans Tropique du cancer, impressionne tellement Lorenz Durel? Parce que ce sont des livres, ceux de Durel et Tropique du cancer, qui ne semblent pas être du même bois. Ben, d'une certaine façon, ce qui va les rapprocher, c'est un petit peu c'est le scandale qu'il crée. Alors, je ne parle pas du scandale parmi le public, mais c'est cette espèce de recherche que fait Miller et que fera également Durel dans le Carnet noir, d'arriver à exprimer des choses dont on ne parlait pas à l'époque. Hein. On sait que, par exemple, dans le Black Book, qui va répondre d'une certaine façon au Tropique, les mots en 4 lettres vont être censurés et que le Black Book sera interdit, donc le Carnet noir sera interdit de publication en Angleterre jusqu'en 1973, alors qu'il est écrit en 38. Mmh. Donc on voit, c'est vraiment le scandale d'enfin exprimer tout ce qu'un certain puritanisme empêchait de dire et d'écrire. Et c'est pour ça que tous ces gens veulent aller à Paris ou en Grèce, parce que absolument, là, ils se sentent évidemment beaucoup plus libres. Voilà, et on revient à la sensualité dont Durel disait que les Anglais ne savaient absolument pas ce que c'était. Libre aussi, comme dans The Booster, donc la revue que crée Durel avec Miller et puis un troisième comparse, Alfred Perlès. Ça, c'est une revue un peu dada qui aura une influence importante.
Je ne pense pas que ça ait une influence tellement importante. Ce qui a été important, peut-être, c'est que ça a rapproché des auteurs. Hein, je pense à Saroyan, je pense surtout à Dylan Thomas, que, par exemple, Durrell va aller rencontrer au Pays de Galles. Je pense à une espèce de bouillonnement sur place, parce que la pérennité littéraire du Booster, je crois que personne n'en a vraiment entendu parler. Hein, c'était la revue d'un club de golf, en fait. Au départ, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, il y a cette rencontre très importante, ça se passe sur un quai de gare, je crois. Première rencontre entre Durrell et Miller. Racontez-nous un peu ça, parce que c'est important, et c'est notamment important pour une notion que vous allez nous expliquer. Ah, alors, c'est important, d'ailleurs c'est Durrell, Miller et Anaïs Nin. Et c'est Anaïs Nin qui va offrir à Durrell le livre d'Otto Rank, Art et Artiste, qui va être absolument Otto fondamental. Rank, qui était le psychanalyste Alors, le psychanalyste, Nin. Qui est aussi devenu l'amant d'Anaïs Nin. Et il va se nouer quelque chose d'extrêmement important entre Durrell et Anaïs Nin également. Durrell ne sera jamais son amant, mais ce sera quelqu'un avec qui elle va échanger. Alors aussi, ce sera sa sœur de plume, d'une certaine façon, comme Henri Miller va être son frère de plume. Voilà. Et il va les rejoindre à la Villa Sera, dans cette espèce d'usine d'écriture où se trouvent Perlès, dont vous avez parlé, Miller, Betty Ryan, enfin, un certain nombre d'écrivains qui travaillaient ensemble, qui écrivaient ensemble. Et donc, à la dédicace dans ce livre d'Otto Rank, la voici. À Lorenz Durrell, protégé de Jupiter et de Neptune, né au pied de l'Himalaya, la légende est déjà là, d'un monticule de neige dont émergea l'Edelweiss ionien qui le porta et lui fit traverser panique après panique pour lui faire atteindre sain et sauf l'Empyrée, où, aux côtés du grand Bouddha et d'autres êtres mystiques, il trône désormais dans le sanctuaire de l'annihilation. Et cette notion d'héraldique qui va ensuite venir dans cette dédicace, je continue de le lire. Il va se faire prophète au sens biblique du terme. Ce que je me propose de faire avec une grande solennité, c'est de créer mon univers héraldique tout seul. Non, c'est plus la dédicace, pardon, c'est dans la correspondance. Mais ce mot, ce concept d'héraldique, en quoi est-il important pour Durrell qui le reprend et le reprend sans cesse? Alors, parce que il pense que notre l'anglais ne lui permet pas d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Et dans une lettre à Miller, il parle de la langue japonaise. Il dit, vous voyez, quand les Japonais parlent d'une fleur, d'un cerisier, du ciel, derrière ce mot, il y a une image et il y a tout un contexte culturel, philosophique et d'image que nous n'avons pas. Donc moi, il faut que j'arrive à créer un nouveau langage, finalement. Un langage dans lequel les mots évoquent des images. Et c'est un petit peu ça qui va créer. Alors pourquoi l'héraldique? Moi, je pense au blason. Finalement, sur les blasons, on a des couleurs, des formes extrêmement simples. Et c'est quelque chose qui va en même temps, par les couleurs, évoquer un certain nombre d'images. Alors je pense au bleu du ciel, je pense au bleu et au jaune de la lumière, du soleil. Et puis le blason dit aussi dans, le blason du Moyen-Âge, il dit aussi la généalogie, il dit l'histoire. Donc c'est une façon finalement de réinscrire l'histoire, il dit il faut abolir le temps. Oui et non, parce que ce qu'il essaye de faire d'une certaine façon, c'est de nous montrer qu'un certain nombre de, dans un instant, dans une vision, on peut avoir quelque chose qui vient du fond comme du fond des temps. Donc on pourrait parler peut-être d'une écriture palimpsestique, c'est un peu bizarre comme mot, mais ça veut dire c'est des couches comme ça qui se superposent pour faire une image. Et pour remonter jusqu'à quand, quel est où se situe l'univers héraldique finalement de Lorenz Durrell? Alors on pourrait remonter à l'enfance, mais on pourrait remonter à l'enfance de l'humanité. Et c'est peut-être que là qu'Alexandrie devient extrêmement importante. Parce qu'Alexandrie, comme le disait Foucault, c'est la ville de l'enfance de notre civilisation. Il n'est pas de nouveau paysage, mon ami. Non, pas de nouveau rivage. Car la ville te suivra, et dans les mêmes rues, tu erreras sans fin. Les mêmes banlieues de l'esprit croupissent de l'enfance à la vieillesse, et c'est dans la même maison qu'à la fin tu perdras tes dents et tes cheveux.
La ville est une cage. Nul autre lieu que celui-ci. À jamais ton port de ce côté-ci de la vie. Et il n'existe pas de navire pour t'emporter hors de toi-même. Ah, ne vois-tu donc pas que tu as ruiné ta vie dans ce lieu de misère? Et qu'elle ne vaut plus rien maintenant, où que tu ailles, par toute la terre. Voilà, cette ville dont il est question ici dans le Quatuor d'Alexandrie, c'est évidemment Alexandrie, cette ville qui est aussi la capitale de la mémoire. C'est un petit peu ce que vous disiez, Corinne Alexandre Garner. Cette ville qui est aussi le pressoir de l'amour. Pressoir de l'amour et capitale de la mémoire. Alors, ce sont des termes empruntés. Ce magnifique poème de Cavafy que vous venez de nous faire entendre, La ville, c'est un poème que Durell a choisi de traduire en anglais, donc d'une certaine façon qu'il s'approprie et qu'il inclut dans le quatuor. C'est intéressant parce que tout à l'heure je vous parlais de palimpseste d'écriture, c'est-à-dire il devient Cavafy d'une certaine façon. Et on voit le côté sombre dans ce poème. Hein. On est prisonnier de cette ville comme on est prisonnier de la vie et dont on ne peut pas échapper. Donc comment échapper? Par l'écriture. Et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant sur l'héraldique, c'est-à-dire que on récupère dans la ville ce qui est le palimpseste, c'est-à-dire les couches d'histoire finalement et de mythe d'Alexandrie. C'est ça, c'est la réécriture, d'une certaine façon c'est la réécriture du mythe. À travers plusieurs couches historiques, c'est intéressant pour quelqu'un qui voulait absolument tuer le temps, de voir l'importance du temps, finalement. On se souviendra aussi que le quatrième tome du Quatuor d'Alexandrie, c'est une suite temporelle, alors que les trois premiers, ce sont trois regards différents sur la même histoire. Encore une fois, histoire d'amour et d'espionnage. Et quand on parlait du grand pressoir de l'amour, je crois que c'est une phrase prononcée par Nessim, le mari de Justine, au centre de la conspiration et du trafic d'armes, hein, qui est au cœur du Quatuor d'Alexandrie, et mari de cette femme absolument magnifique, qui est une composite qui n'a jamais existé, quoi qu'on en dise, et qui représenterait toutes les images de femmes qu'on aimerait aimer. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nous allons continuer de parler de tout cela avec vous, Corinne Alexandre Garner. Mais avant cela, il s'agit de retrouver en duplex de Bordeaux Olivier Moni pour En compagnie des revues. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Nous sommes très heureux de vous avoir en cette Saint-Valentin, car comme nous l'attendions, vous posez une question toute simple mais essentielle. Où sont passés les romans d'amour ? Oui Mathieu, une question, c'est vrai, de circonstances, mais doublement de circonstances d'ailleurs, parce que, après tout, parmi ces sortilèges, le Quatuor d'Alexandrie de Durell est aussi, c'est du moins le souvenir de lecteur, souvenir ébloui de lecteur que j'en ai, l'un des grands romans d'amour du siècle dernier. Alors, l'idée première, et finalement préconçue, serait de penser que presque tous les romans contemporains seraient des romans d'amour, que l'amour est de toute éternité le seul sujet. À mieux y regarder, eh bien je crois exactement l'inverse. Finalement, à la bourse des sujets, si j'ose dire, l'amour comme seul destin et ligne d'horizon, n'a plus la cote. En France, par exemple, on a tellement reproché aux romanciers français de se complaire dans l'exhibition de son « moi », que ce serait désormais comme s'il se sentait obligé à chaque livre de dire quelque chose de l'ici et maintenant.
C'est exactement ce que ne sont pas les grandes histoires d'amour vouées à une certaine forme d'intemporalité. Le hiérarchisme de l'amour, en quelque sorte, dont sont peu ou prou privées, c'est difficile à dire, les lettres françaises depuis la disparition de sa grande prêtresse, Marguerite Duras. Mais je parie que vous avez tout de même réussi à nous trouver quelques-uns de ces romans d'amour disparus, et même un qui vient de sortir et dont on parle déjà pas mal. Oui, tout de même, Mathieu, je vous rassure, bien sûr. Et mon choix de 4 romans d'amour est évidemment, par définition, partial et parcellaire. Commençons donc, vous l'avez dit, par Les Furies de Lauren Groff, qui est effectivement dans l'un des livres événements de ce début d'année, et nous arrive nanti de l'enthousiasme critique du plus célèbre des grands critiques littéraires qui soit, Barack Obama. C'est un grand livre, une fresque mystérieuse, complexe, fascinante, une histoire d'amour donc piégée, l'autopsie grandiose d'un mariage et au-delà du couple dans nos sociétés occidentales exsangues. Les Furies brassent ensemble non seulement les aléas, épiphanies et compromis d'un couple, mais aussi les questions des ambiguïtés du charisme, de celle de la création, de celle du désir, de l'actualité sans cesse renouvelée, du chagrin. La langue de Groff est à la fois merveilleusement lyrique et tranchante. Les scènes sexuelles fréquentes sont très belles. On n'en aura pas lu d'aussi juste depuis celle qui traverse l'œuvre de James Salter, l'auteur d'Un bonheur parfait, dont ces Furies sont en quelque sorte une manière de remake. Et puis peut-être aussi depuis celle de Laurence Durrell. Alors vous avez parlé de 4 livres. Quels sont les 3 autres? Et y en a-t-il qui soient français? Ah oui, oui, oui. Je vous rassure, 2. Très différents, mais infiniment beaux et répondant tous deux à l'idée qu'il n'y a pas d'amour heureux. Tout d'abord, Pour la peau d'Emmanuel Richard, paru l'an dernier aux éditions de l'Olivier et réédité le mois prochain en collection de poche Point. C'est l'histoire, qui ne date pas d'hier, vous me direz, et joliment charnelle elle aussi, d'une jeune femme, sans doute assez proche de la romancière elle-même, qui tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas son genre. C'est à la fois furieusement contemporain et absolument intemporel, d'une ravageuse tristesse en même temps que d'une belle vitalité. Autre roman d'amour français, carrément sublime celui-là, et je pèse mes mots, et qui a eu la chance de connaître un vrai et mérité succès public autant que critique, puisqu'il a obtenu le prix Femina en 2010, « La vie est brève et le désir sans fin » de Patrick Lapeyre, désormais disponible en collection de poche Folio. L'histoire d'un homme, et peut-être même de deux, d'une femme anglaise et d'un amour à éclipse, une histoire d'adultère et de fatigue trop lourde à porter. Lapeyre est l'un des plus beaux stylistes d'aujourd'hui du roman français, aujourd'hui, et c'est la première fois avec ce livre qu'il s'éloigne du récit de genre un peu piégé à la Eschnoz, au bénéfice de la chair et des larmes. C'est donc le livre d'une réconciliation impossible entre deux amants et entre soi et le monde. Finissons tout de même cette journée de Saint-Valentin avec une vieille dame, Anne Lord, l'héroïne du beau et mélancolique crépuscule de l'américaine Suzanne Minot. Anne va mourir, elle le sait, entourée des siens, et alors qu'elle s'apprête à basculer dans sa nuit, un seul souvenir lui demeure, celui de cet amour fugace, violent, qu'elle éprouva jeune femme pour un homme qui ne sut la garder. Tout le reste ne lui fut qu'une traversée des apparences. Voilà Mathieu, en 4 livres, pourquoi il convient aujourd'hui encore de ne pas désespérer totalement de l'amour. Eh bien merci Olivier Monnier, on espère que vous n'allez pas lire ce soir, vous allez au restaurant évidemment pour fêter cette Saint-Valentin. Raté. À bientôt, Olivier. Compagnie des auteurs reprend sa route méditerranéenne dans le sillage de Laurence Durrell, l'auteur du célèbre quatuor d'Alexandrie, dont voici, pour entamer cette seconde partie, un nouvel extrait. Qui est-elle, cette ville que nous avions élue? Que contient et résume ce mot Alexandrie? Dans un éclair, je revois un millier de rues où tourbillonne la poussière. Des mouches et des mendiants en ont pris aujourd'hui possession, et tous ceux qui mènent une existence intermédiaire entre ces deux espèces.
5 races, 5 langues, une douzaine de religions. 5 flottes croisant devant les eaux grasses de son port. Mais il y a plus de 5 sexes, et il n'y a que le grec démotique, la langue populaire, qui semble pouvoir les distinguer. La provende sexuelle qui est ici à portée de la main déconcerte par sa variété et sa profusion. On ne peut pas la confondre avec un lieu de plaisir, cependant. Les amants symboliques du monde hellène sont ici remplacés par quelque chose de différent, quelque chose de subtilement androgyne, tourné vers soi-même. L'Orient ne peut jouir de la douce anarchie du corps, car il est au-delà du corps. Je me rappelle Nessim disant un jour, je pense qu'il avait dû lire cela quelque part, qu'Alexandrie était le grand pressoir de l'amour. Ceux qui en réchappaient étaient les malades, les solitaires, les prophètes, tous ceux enfin qui ont été profondément blessés dans leur sexe. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Corinne Alexandre Garner, cet extrait du Quatuor d'Alexandrie esquisse une carte du tendre, dites-vous. Et il a été question des 5 sexes d'Alexandrie. Vous l'avez évoqué déjà un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces 5 sexes d'Alexandrie ? Alors, je ne parle pas le grec démotique, donc je ne peux pas vous les citer. Mais ce que je peux vous dire, par contre, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous parler de l'amour tel qu'il est représenté par Darley, qui est au centre, donc c'est le narrateur du Quatuor, qui aime 3 femmes. Justine, dont on n'a pas arrêté de parler, hein, qui est cette espèce de composite de toutes les femmes, peut-être, auxquelles on pourrait rêver si on rêve à une femme. Mais ce qui est intéressant, c'est que Darley aime 3 femmes. Il aime Justine, qui est mariée à Nessim. C'est un amour passion. Il n'y peut rien. Hein, il aime Mélissa. Mélissa, c'est l'amour lié au désespoir. Et puis surtout, on aura l'image d'une espèce d'amour naissant parfait avec Cléa l'artiste. Donc en fait, ce sont plus ces 3 facettes de l'amour dont j'aurais envie de parler, plutôt que des 5 sexes que je ne saurais pas décrire en grec démotique. Et Cléa, c'est le titre du dernier tome de la tétralogie qui justement réconcilie peut-être avec l'amour. Tout à fait, et qui ouvre une nouvelle voie à la création, et qui montre certainement, et qui montre cette image d'un couple un petit peu en devenir, d'un narrateur qui rencontre une femme blessée, qu'il va choisir pour continuer sa vie d'artiste avec elle. Et alors là, c'est très intéressant parce qu'on arrive à quelque chose qui est absolument crucial pour comprendre l'œuvre de Durell, c'est la bisexualité. Mmh. Bisexualité dont il a sciemment couper le mot dans l'exergue du premier opus du Quatuor d'Alexandrie, où il fait une citation d'une lettre de Freud à Fliss, et il la coupe juste avant la bisexualité. Or, en fait, la bisexualité, tout à l'heure on parlait d'androgynie, c'est une idée qui se tisse tout au long de l'œuvre de Durell et qui nous ramène finalement à la philosophie orientale, et qu'il tisse jusque dans le quintet d'Avignon, dont on n'a pas parlé, mais je crois dont il faudrait parler, qui continue à s'interroger sur l'amour. Il y a dans le quintet d'Avignon des scènes absolument magnifiques entre l'héroïne, entre guillemets, Constance, dont le nom vient de Lady Chatterley's Lover, c'est-à-dire le livre de D.H. Lawrence, l'amant de Lady Chatterley, qui elle-même va être amoureuse de plusieurs hommes, qui est psychanalyste. Et alors là, ça devient encore plus intéressant parce que c'est un livre qui va nous révéler finalement que la psychanalyse, Freud en particulier, sont extrêmement importants pour comprendre l'œuvre de Durell. Mais qu'est-ce qu'il expose sur cette question de la bisexualité et en lien avec l'Orient ? Alors, il expose en fait qu'on est chacun hommes et femmes, d'une certaine façon, et que tant qu'on n'a pas trouvé notre équilibre entre le féminin et le masculin, on n'est pas un être humain complet. Et c'est intéressant de voir que la fin du quintet d'Avignon se termine avec un couple d'amants philosophes, Constance et Blandford, un écrivain
et une psychanalyste, alors dont on peut penser qu'effectivement ce sont deux personnages. L'un va écrire un livre et l'autre est pour la première fois dans l'œuvre de Durel porteuse d'un enfant. C'est quand même extraordinaire d'arriver au terme de sa vie pour pouvoir enfin faire coïncider d'une certaine façon création et procréation. Parce que dans le Quatuor d'Alexandrie, tous les enfants meurent, disparaissent, ou alors s'ils restent vivants comme la petite fille Justine que le narrateur emmène sur son île, c'est la mère qui meurt. Donc on pourrait dire qu'à la fin de l'œuvre de Laurence Durel, il retrouve quelque chose de l'enfance puisqu'il peut faire apparaître l'enfance, enfin, et l'Inde. Sur l'amour, il y a trois choses, dites-vous, que l'on puisse faire avec une femme, à moins que ce ne soit Laurence Durel qui le dise. On peut l'aimer, souffrir pour elle, ou en faire de la littérature. Alors c'est Laurence Durel qui le dit, et je pense que ça se réfère à Justine, Mélissa et Cléa. Et je pense que ça s'illustre également dans le Quintet d'Avignon. You are invited to listen to your favorite type music, where the recorded sound starts its journey from the record groove to your ear. If a husband leaves his wife while the moon is waning, he will not be seen by her again. Ah, oh, mais Alicia, on y rêve, mais on y rêve. Corinne Alexandre Garner, l'amour, c'est parfois aussi chez Laurence Durel en lien avec la croyance, avec le mysticisme, avec cette ville d'Alexandrie qui est elle-même parfois un personnage, qui est presque un personnage de femme, de femme puissante et en même temps effrayante. Donc il n'y a évidemment rien de rationnel dans la manière dont Durel voit l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette idée d'un rapport avec l'irrationnel, avec la croyance? Je dirais plutôt avec la mystique. Et je retournerai peut-être vers les présocratiques et Plotin lui-même. Et cette idée que l'amour, c'est peut-être un chemin, un des chemins qui nous permet de nous trouver nous-mêmes. Et à un moment donné dans le Quatuor, je crois que c'est Nessim qui cite Plotin en disant « Regarde en toi-même, c'est là qu'il faut aller ». Et finalement, les femmes ne seraient que des prétextes à se trouver soi-même. Et finalement, avec sa dernière femme, Claude, il s'est trouvé lui-même. Et en amour aussi, il a trouvé une forme de double. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que la mort de Claude, c'est un drame absolument épouvantable. Tout à coup, il s'est trouvé, si on était en Inde, on pourrait dire, privé de sa paraître, c'est-à-dire de sa moitié. Donc Claude, c'est un peu Cléa, finalement, comme sa première femme était un peu Justine. Alors, j'ai envie de dire, moi j'aime pas rapporter les personnages de roman à un seul personnage. On pourrait dire, elle a certains aspects certainement de Claude, mais elle a d'autres aspects qui viennent d'ailleurs, comme Justine était ce composite de femmes. Vous savez, quand j'étais à Alexandrie, j'ai rencontré un certain nombre de femmes. Elles étaient toutes Justine. Alors s'il fallait se retourner vers toutes les amantes de Durel, et il en a eu beaucoup pour savoir qui est à la base de ses créations littéraires, oui, mais bien sûr, on serait perdu. De manière métaphorique, en fait, il ne s'agit pas de coller des personnages sur des êtres vivants. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il avait très jeune le projet de son œuvre, que ce projet allait finalement vers l'apaisement. Et d'une certaine manière, le trajet de sa vie, c'est ça aussi, le trajet du Quatuor d'Alexandrie et des différentes femmes qui sont à chaque fois au centre de chacun des tomes, c'est un peu ça aussi. Donc il y a quelque chose de très étonnant, de très étrange en fait. Mais oui, c'est comme s'il avait eu une espèce de prémonition de sa vie, et ça c'est effectivement très étrange. Et on peut dire que après la mort de Claude, d'ailleurs il se décrivait comme « je suis maintenant quelqu'un de posthume ». Et à partir de ce moment-là, il disait « j'écris, en fait, je creuse la mort poétiquement ».
c'est vrai que c'est un tournant. Et c'est l'impression qu'il vous a donnée quand vous l'avez rencontré, que c'était quelqu'un de posthume que vous aviez en face de vous ? J'avais face à moi quelqu'un d'extrêmement touchant, parce qu'en même temps, il avait ces éclats de malice dans les yeux, mais il était, je crois, profondément mélancolique. Et il faut ajouter à la mort de Claude, donc en 67, le fait qu'en 85, c'est sa fille Sappho qui se suicide, au moment où il est en train de rédiger le quintet d'Avignon. Et alors là, j'ai envie de dire, après la mort de Sappho, il est dans le désespoir le plus total. Pour revenir à cette question des croyances et de la mystique, quelle serait la religion ou les religions qui seraient à la base finalement de cette croyance un peu syncrétique de Laurence Duret ? Alors, je peux vous dire qu'en tout cas, il était opposé, et il le dit, j'allais dire un petit peu trop fortement peut-être, dans ses derniers livres, au christianisme qu'il y ait, au matérialisme, et il a un discours explicatif parfois très très contraignant à lire dans son dernier ouvrage. Et il opposait donc au christianisme cette espèce de mélange de philosophie orientale. Il faut quand même qu'on remarque quelque chose, c'est que un personnage très important du Quatuor, c'est Balthazar. Le nom de Balthazar, qui est le titre du tome 2. Tout à fait, qui est un peu représenté comme un mystique juif qui serait au centre d'un petit groupe et qui étudierait la Kabbale. Alors que parfois Durel a des propos très étranges sur le judaïsme, qui va agglomérer à ce christianisme haï pour dire qu'ils sont à la base de tous les malheurs de l'humanité. Or, Balthazar est un personnage très positif et d'ailleurs un personnage bisexuel lui aussi, voire même homosexuel, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être aussi important. C'est très important et par ailleurs, il est lui-même, Balthazar, est identifié à Tirésias, personnage mythologique bisexuel, qui était cité par T.S. Eliot dans ses poèmes, T.S. Eliot qui par ailleurs a beaucoup inspiré Durel. Donc on voit comment ces couches comme ça de références s'ajoutent les uns aux autres pour créer cet univers si riche, alors de mystique, d'histoire de l'Antiquité, de dieu, de déesse, enfin on aura un mélange total aussi bien de Pan, d'Énéréide que d'Alexandre à Alexandrie, qu'un retour, encore une fois, on pourra dire à Shiva et à toute la cosmogonie indienne. Est-ce que vous diriez que Avignon, donc le personnage aussi, comme Alexandrie est un personnage, mais bien entendu du quintet d'Avignon, est aussi puissant dans sa description qu'en fait Durel que Alexandrie? Ou est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on n'est pas sur le même plan en termes justement de mythe avec Avignon? Vous avez tout à fait raison. On est dans tout à fait autre chose. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir la description des paysages. C'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est plus la ville d'Avignon qui est intéressant, c'est comment on arrive à la ville. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à l'idée du voyage. C'est pas le lieu qu'on va atteindre qui est intéressant. Comme dans le poème de Cavafy, Ithaque, c'est le voyage qui va y mener. Il y a des passages absolument splendides dans le quintet d'Avignon sur les arrivées de train vers Lunel ou vers Avignon, qui ont la beauté et la profondeur qu'on pourrait trouver dans les descriptions d'Alexandrie. Donc Avignon, non, n'a certainement pas la même portée qu'Alexandrie. Par contre, il y a des lieux liés à la Provence, qui vont avoir une importance considérable, comme par exemple Fontaine de Vaucluse. Et alors là, il va convoquer, c'est plus les dieux grecs, mais il va convoquer Pétrarque et Dante et d'autres figures de femmes. Donc il va faire le même travail, j'allais dire, de tissage de différentes périodes et de différentes références pour encore une fois nous parler d'amour. Vous dites que le quintet d'Avignon, c'est un livre-monde que l'on regarderait comme un paysage chinois né de l'encre de Chine, du pinceau, d'un peintre philosophe.
Oui, parce que ça, c'est le souhait d'écriture de l'auteur, d'arriver à faire cette peinture chinoise, j'allais dire allusive, alors que je ne pense pas que ce soit un livre dont l'écriture est parfaitement réussie partout. C'est un livre qui est beaucoup trop explicatif et dans lequel le poétique est submergé, d'une certaine façon, par l'explicatif. C'est le dernier livre d'un auteur qui a peur de ne pas avoir été compris et qui tout à coup nous explique finalement toutes ces choses qu'il avait déjà trouvées à 20 ans et qui étaient magnifiques et qu'il a exprimées poétiquement tout au long de sa vie. Donc vous ne nous conseillez pas le Quintet d'Avignon. Je crois que vous voulez nous lire une citation de votre livre Dans l'ombre du soleil grec. Alors c'est une citation de Durel qui dit « C'est toujours le voyage qui compte ». Jamais le port ou la destination qui le cache, même si ce voyage part de nulle part et n'aboutit nulle part. Voyager, c'est vivre. C'est ce mouvement vers l'ailleurs, ce désir de poursuivre ce quelque chose que nous repousserions peut-être s'il arrivait par hasard. Et dans votre livre, Corinne Alexandre Garner, il y a aussi, et on terminera peut-être cette émission par là, des reproductions de peintures et d'aquarelles, car Lorenz Durel, sous un autre nom d'ailleurs, était également peintre. Quel genre de peintre ? Alors, il a fait quelques huiles, il a fait beaucoup d'acrylique et également des aquarelles. Et alors, il y a beaucoup de discussions avec Miller dans ses lettres sur les aquarelles. Mais il se considérait pas comme un peintre très sérieux. J'ai envie de dire que c'est un meilleur peintre quand il écrit de la poésie. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup tenu dans ce livre. J'étais tellement heureuse qu'on puisse voir les images de ses peintures. Mais en fait, il est peintre quand il écrit de la poésie. Merci beaucoup Corinne Alexandre Garner de nous avoir fait entrer plus profondément dans l'œuvre de Lorenz Durel. Je rappelle que vous avez publié une anthologie passionnément assemblée et commentée par vos soins des textes de Durel. C'est ce livre dont nous avons parlé, Dans l'ombre du soleil grec, et c'est aux éditions La Quinzaine littéraire Louis Vuitton. Demain, nous poursuivons notre série sur Lorenz Durel en compagnie d'Isabelle Keller-Privat. Elle est également universitaire. Vous avez collaboré avec Corinne Amar, Didier Pinot et Gauthier Amiel. À la réalisation, Laurence Millet. À la console, Anthony Thomasson. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et bonjour à tous, aujourd'hui mercredi, troisième numéro de notre série consacrée au romancier de nationalité anglaise mais au cœur méditerranéen, Lorenz Durel. Lorsque Durel meurt à Sommières en 1990, il est installé dans le sud de la France depuis une trentaine d'années, ce qui constitue son plus long séjour dans un même pays. Lui, qui est né aux Indes, a passé son adolescence dans une Angleterre qu'il n'aimait pas beaucoup, s'est épanoui en Grèce, puis a trouvé dans l'Égypte la matière première à son cycle romanesque le plus célèbre, le Quatuor d'Alexandrie. De cet homme qui savait sublimer sa mélancolie, nous avons fait lundi le portrait. C'était avec Béatrice Comanger et vous pouvez retrouver cette émission en podcast. Beauté et sensualité, mais aussi silence et désespoir, constituent les thèmes chers à Durel. Nous avons continué de les explorer hier avec Corinne Alexandre Garner, en même temps que nous sommes revenus sur l'amitié essentielle de Durel, avec un autre déraciné, l'Américain Henry Miller, qui l'a rejoint une année durant en Grèce. Enfin, si ce qui demeure de l'œuvre de Durel aujourd'hui est très divers, livres de voyage, propos sur le sud de la France, peinture également, car Durel exposé, eh bien c'est surtout sa tétralogie, le Quatuor d'Alexandrie, qui reste donc dominante, et l'écrivain Eglal Herrera s'est attelé à la difficile tâche de l'adapter pour la radio. Elle nous en parlera demain et nous fera écouter des morceaux choisis de cette adaptation.
Et on fait une peinture, mais qui est une peinture pour les yeux, pour les oreilles, une peinture presque tactile qui nous amène à éprouver la substance de la mer, l'essence de la mer. Merci beaucoup pour cette écoute. Et vous ressentez alors, physiquement presque, en tout cas le sourire que les auditeurs ne voient pas, mais que j'ai la chance de voir sur votre visage, semble indiquer que vous ressentez cette poésie très profondément, très intimement. Laurence Durel est un auteur fascinant dans sa poésie par sa sensibilité extrême. Il arrive à donner aux choses qu'il regarde une véritable existence. C'est vrai de la mer, qui est un sujet relativement courant, mais c'est vrai aussi de choses auxquelles on penserait moins facilement, comme par exemple la pierre, le domaine minéral. Et à chaque fois, son vers va véritablement se couler dans la matière qu'il veut exprimer. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à vous intéresser en particulier à la poésie chez Durel ? Je me suis intéressée à la poésie de Laurence Durel dès que j'ai commencé à lire sa fiction. Parce que ce qui m'a intéressée dans sa fiction, ce sont ces moments où la prose déborde. Jean-Christophe Bailly parle de l'élargissement du poème, et c'est cela vraiment qu'on ressent quand, par exemple, on découvre ce superbe chapitre de Cléa, le chapitre 2 de Cléa, où le narrateur Darley décrit les mouvements du sable et les mouvements des mirages dans le désert. Oui. Et également, toujours dans Cléa, le moment de l'arrivée à Alexandrie, qui est un moment en effet très poétique, je crois. Tout à fait. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'avais affaire davantage, finalement, à des morceaux de poèmes en prose qu'à de la narration, comme si la narration devenait secondaire, comme si l'histoire comptait peu. Et après avoir travaillé sur le Quatuor d'Alexandrie et le Quintet d'Avignon, et avoir travaillé aussi sur les poèmes insérés dans la prose, parce que Laurence Durel, si on ne compte que les poèmes publiés dans les florilages, dans les anthologies, dans ses recueils de poésie, a publié à peu près plus ou moins 300 poèmes. Mais c'est sans compter tous les poèmes qui viennent s'insérer dans la prose et créer ces ouvertures, ces fenêtres vers une autre écriture. Et c'est cette autre écriture qui m'a fascinée. Jacques Ancey a cette superbe phrase, la poésie c'est autre chose. Pour moi, c'est cette autre chose qui véritablement convoque l'œil du lecteur dans l'écriture de Laurence Durel. Alors il y a de la mélancolie dans cette écriture, il y a des images. Comment la caractériser finalement, cette écriture poétique ? Alors c'est une écriture poétique qui est une écriture profondément lyrique. Lyrique au sens où on comprend très vite que l'espace, alors c'est en particulier l'espace grec, devient le lieu symbolique d'une exploration, d'une excavation presque. Et qu'est-ce qu'on excave ? Et c'est ce moi qui sort, ce jeu de l'écrivain qui sort de lui-même et qui vient à la rencontre de lui-même, qui s'interroge et qui va mener une quête identitaire, qui va être le fil rouge, en quelque sorte, de toute son écriture poétique. Vous voulez nous lire, par exemple, un poème, alors peut-être en anglais, pour qu'on entende d'abord la langue et puis ensuite la traduction en français. Comme ça nous permettrait d'avoir une meilleure idée de quoi il s'agit. D'accord, alors je vais vous lire le début de ce long poème autobiographique qui paraît en 1946, dans d'ailleurs le recueil qui porte le même titre que le poème, qui s'appelle « Cities, Plains and People » et qui est un moyen de faire un petit clin d'œil à l'émission de lundi à l'Himalaya, dont nous a parlé Béatrice Comanger, ou à ce Tibet dont nous a parlé Corinne Alexandre Garner, qui est viscéralement une terre de l'écriture, une terre de la création. Ça commence ainsi. Cities, plains and people. Once in idleness was my beginning. Caravans paused here to drink Tibet. On drafty corridors to Lhasa was my first school. In faces lifted from saddles to the snows. Words caught by the soft klaxons crying down to the plains and settled cities. So once in idleness was my beginning. Et Alain Bosquet a fait une belle traduction de ses poèmes, et de certains poèmes et de celui-ci, qu'il intitule « Ville, plaine, gens ». Jadis, dans la paresse, était mon commencement. Les caravanes s'arrêtaient ici pour boire le Tibet,
Dans l'école, à tous les vents de la SA, j'eus ma première classe. Sur les visages levés de la selle vers les neiges. Mots saisis par les klaxons qui pleuraient pour les plaines et les cités immobiles. Ainsi, dans la paresse, jadis était mon commencement. La traduction vous semble bonne parce qu'il y a assez peu finalement de traductions des poèmes de Lorenz Durrell. D'ailleurs, dans votre livre Between the Lines, vous ne traduisez pas ou vous ne reprenez pas ou quasiment pas de poèmes en français. Hein, tous sont en anglais. Est-ce que c'est parce que la traduction ne vous convenait pas ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'y en avait pas? Non, Alain Bosquet a fait un très beau travail de traduction. C'est très difficile de traduire la poésie. C'est très difficile de traduire la poésie de Lorenz Durrell. Alors si on prend les vers dans le détail, il y a peut-être des endroits où j'aurais personnellement traduit différemment, mais là n'est pas la question. Alain Bosquet a traduit en fait les recueils jusqu'en 1966. Il en a pris certains. D'ailleurs, Ville, plaines et gens n'est pas traduit dans son intégralité. C'est un très long poème. Et d'autre part, ça c'est ma formation d'angliciste, j'aime le texte en anglais, et en particulier pour la poésie, on a besoin d'entendre les sons de la langue. Donc pour moi, c'était inconcevable de travailler sur autre chose que sur le texte anglais. Alors, cet recueil de poèmes pour Lorenz Durrell, comparé à la masse de ses romans, est-ce que ça vous paraît du coup mineur? On verra tout à l'heure comment il y a de la poésie aussi dans la prose, mais est-ce que, en termes par exemple de temps consacré dans sa vie, dans sa carrière d'écrivain à la poésie, c'était moins important pour Durrell que le roman? En termes de temps, en termes d'investissement personnel, non. Je pense que la poésie est véritablement à l'origine du désir d'écriture de Lorenz Durrell. Il commence par écrire de la poésie et il publie de la poésie dans des éditions privées bien avant de commencer à publier de la prose. Donc il écrit tout jeune. Le premier recueil est publié en 31 et ce sont des poèmes qu'il a écrits entre l'âge de 16 ans et 19 ans. Puis viendront deux autres recueils de poèmes avant que ne paraissent Pied Piper of Lovers, Petite musique pour amoureux en 35. Donc la poésie est vraiment à l'origine de l'écriture. Elle est à l'origine et je dirais qu'elle est aussi le terme de l'écriture. Il y a une très belle interview qu'il accorde à Corinne Alexandre Garner en 1984, alors que Quinks vient de paraître, et où ils abordent la question de l'écriture poétique. Et il a cette très belle phrase, phrase pleine de mélancolie, où il dit « I haven't got a poem in anymore. Il ne me reste plus un seul poème. Mmh. » Alors, il va encore en écrire quelques-uns, mais je crois que ce qui lui confie là et qui est essentiel, c'est la préscience de l'essoufflement, véritablement de l'inspiration. Donc, son dernier recueil date de 1973, donc presque 10 ans avant l'interview avec Corinne Alexandre Garner que vous évoquez là. C'est cela. Et on va encore donc trouver des poèmes donc dans le quintet et puis dans le dernier récit consacré à la Provence. C'est assez mélancolique ça encore comme constat, et cet assèchement finalement poétique de Lorenz Durrell. Oui, et puis c'est aussi la preuve que l'écriture ne s'arrête pas tant que la poésie ne s'est pas arrêtée et que vraiment la poésie est l'alpha et l'oméga de l'écriture chez Lorenz Durrell. Vous savez, je garde toujours le côté anglais et je garde aussi le côté irlandais parce que les deux côtés expliquent les deux caractères que j'ai. Par exemple, le côté fainéant, le côté hystérique, le côté de l'intuition, le côté un peu, comment disons, flou, c'est le côté irlandais, vous savez. Et de l'autre côté, je suis aussi un anglais, c'est-à-dire... je suis un type méthodique, je peux travailler si nécessaire toute la journée, je peux juger des choses et j'ai aussi un sang-froid. Alors j'ai tous les deux côtés en moi, vous savez, et je les respecte parce que je crois que sans le côté irlandais, je ne serais jamais poète, mais sans le côté anglais non plus, parce que les Irlandais ont besoin de forme et c'est tout ce que les Anglais peuvent emporter. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de la poésie de Durrell avec Isabelle Keller-Priva. Il était irlandais alors quand il écrivait de la poésie, beaucoup plus qu'anglais. Il était islomane.
L'Irlande, c'est une autre île où il n'a jamais vécu. Ce côté fainéant, oui, c'est essentiel à sa poésie. C'est ce qu'il appelle « idleness », qu'il va définir dans le récit sur Chypre, en empruntant le mot que lui confie son ami turc, Caïf. Il nous explique, sous cet arbre de l'oisiveté de Chypre, que la poésie naît de cela, d'une contemplation flottante, somnolente, qui naît de la paresse et de la volupté. Donc cette fainéantise qu'il traite avec humour, elle est consubstantielle à son écriture, et pour lui elle est consubstantielle à l'écriture de la poésie. Oui. Mais alors s'il est irlandais quand il écrit de la poésie, est-ce qu'il est aussi parfois français quand il écrit des poèmes, grec quand il écrit des romans? Laurence Durel est bien un écrivain de la Méditerranée. C'est un écrivain qui fait se rencontrer les rives, qui fait se rencontrer les langues. Quand il écrit à Chypre, quand il écrit à Rhodes, il y a des lettres à Henry Miller où il lui dit « c'est extraordinaire, j'arrive à écrire dans les trois langues, j'arrive à écrire en anglais, j'arrive à écrire en grec et j'écris aussi des passages en français ». D'ailleurs, il y a des poèmes dont certaines strophes sont en français. Mais il n'a pas pensé à traduire, en revanche, lui-même, ses non. propres poèmes. Non. Je vous demandais ça parce que vous avez aussi écrit avec Corinne Alexandre Garner, qui était hier à ce micro, un livre intitulé « Migration, exil, errance et écriture ». Et évidemment, l'exil, voire l'errance, et l'écriture aussi, ça fait tout de suite penser à Laurence Durel, qui a été exilé plusieurs fois. Qu'est-ce que ça fait à sa poésie d'avoir vécu dans tous ces endroits et d'être un exilé? Je crois que c'est quelque chose, l'expérience de l'exil, qui lui permet d'approfondir l'expérience de la poésie. Parce que la poésie, si on y réfléchit bien, c'est une expérience d'exil de l'écriture. La langue ne se fait plus discursive, elle sort de la linéarité et elle procède par intuition, par éclat. Et dans ce processus par lequel la langue va se détacher de la linéarité, de la syntaxe, on va aboutir à une écriture beaucoup plus flottante, beaucoup plus incertaine. Et c'est cela, au fond, l'expérience de l'exil. C'est l'expérience d'une incertitude, d'une déstabilisation, mais qui est acceptée. Je suis préoccupé par la question des lieux, précisément parce que je suis un déraciné. Je suis un colon, effectivement. Et la seule certainté, le lieu pour moi, c'est simplement le langage, le fait que je possède et je travaille en anglais. C'est mon passeport, effectivement. Autrement, je n'ai pas de passeport. Je suis un nègre blanc, effectivement, dans le monde européen. La poésie du déraciné, c'est donc ça, la poésie des lieux, la poésie de l'espace, c'est sinon un thème, au moins un horizon de la poésie de Durel. Oui, le poète habite sa langue, fondamentalement, et c'est très sensible dans la relation qu'il a à l'espace, à travers ses romans et à travers ses poèmes. Alors on a parlé d'Alexandrie hier, on a parlé de ces cartes de ville. Parce que l'espace, ça peut être tous les espaces, que ce soit l'espace urbain, comme la mer, comme la campagne, la Provence, pourquoi pas, le sud de la France en tous les cas. Tout à fait. L'espace chez Laurence Durel, c'est un espace-temps. C'est-à-dire, c'est un espace dans lequel l'espace et le temps sont deux données qui sont inséparables. Et quand il nous amène à Alexandrie, quand il nous conduit à Avignon, il nous montre bien autre chose que les cartes des villes auxquelles il nous renvoie. Il nous montre le tramé affectif qui se noue dans ces espaces-là. Le sien ou celui des personnages? Alors, celui des personnages dans la fiction, le sien de manière plus intime dans la poésie. Je pense en particulier, par exemple, à Rhodes. Rhodes qu'il décrit dans ses poèmes comme le masque mortuaire de la ville de Rhodes. Les villes dans les poèmes sont très clairement des espaces évidés, creusés, comme Athènes aussi. Il nous amène à Athènes, il nous conduit sur la Plaka, il nous amène regarder les cariatides de l'Érechtheion, et à chaque fois, ce ne sont pas les frises, ce ne sont pas les sculptures, c'est le creusement de la matière que va interroger la langue.
ce qui fait que l'espace devient un espace vertical en profondeur, en même temps que le temps. Mais comment cela se traduit, cet évidement, ce creusement? Qu'est-ce qu'on creuse? Est-ce que vous pouvez nous... Alors, comment ça se traduit sur le plan peut-être du style? Il y a un style très particulier qui repose sur une syntaxe fondée sur les tirets, les points de suspension et les deux points. Et les deux points sont très présents dans les poèmes, et c'est ce qui rend d'ailleurs la poésie extrêmement difficile à traduire. À travers ces deux points, Laurence Durel va mettre en regard, de part et d'autre du vers, deux images, deux sons parfois, qui vont se télescoper, mais sans qu'il y ait jamais de relation logique, de relation causale. Et les deux points vont fonctionner véritablement comme des fenêtres, comme des ouvertures, qui vont conduire le lecteur à imaginer des relations qui sont des relations par contiguïté. Donc on associe des images, on associe des idées, et c'est ça qu'on appelle creuser chez Laurence Durel. Alors, oui, c'est ça, c'est-à-dire que, en quelque sorte, l'espace que l'on croit reconnaître, que ça soit la Méditerranée, que ça soit Alexandrie, que ça soit la mer, cet espace qui est notre lieu commun à tous, se transmue en un lieu intime. Et ce lieu intime, et c'est la grande force de la littérature, va reconfigurer notre lieu commun. Donc la Grèce, c'est quand même l'espace favori de la poésie de Durel. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qui le retient finalement dans cet espace grec ou dans ce paysage grec? Alors il parle beaucoup de la lumière grecque. Je me suis interrogée sur les liens entre les différents espaces qui ont marqué son écriture. Et il me semble que de l'Himalaya aux collines de la Provence, en passant par les anfractuosités rocheuses de la Grèce et ses sommets couverts de neige, il y a un point commun. Ce sont des terres d'ascèse, ce sont des terres d'abnégation, de dépossession. Ce sont d'ailleurs dans les poèmes des terres habitées par des figures emblématiques de saints, d'ermites, de sages, de marins, qu'il place au croisement de ses textes et à qui il donne des mots qui relèvent de l'aphorisme, ces aphorismes des présocratiques dont il a été question hier. Et cette sagesse, c'est un horizon dans la vie de Durel aussi? C'est un horizon, c'est quelque chose effectivement qu'il a cherché toute sa vie et qui a toujours rendu sa quête littéraire extrêmement humble. Il cherchait. Et il avait bien conscience de ne jamais donner de réponse. D'autres espaces, l'Inde, l'Angleterre, la France, l'Argentine, chacun de ces espaces a été traité, mais de manière différente, parce qu'il y a une charge affective qui est évidemment différente avec chacun de ces lieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les autres espaces poétiques chez Laurence Durel? Alors, l'Argentine, c'est un peu un cas particulier parce qu'il s'y... Parce qu'il n'aimait pas, et voilà, justement. Il s'y est très peu plu, il a carrément détesté. Et le recueil de poèmes qu'il envoie à T.S. Eliot à la fin de sa période argentine contient en fait très peu de poèmes écrits donc sur l'Argentine. Donc il ne peut écrire que ce sur quoi il aime. Il écrit sur la Grèce. Il écrit sur la Grèce, il écrit un petit peu, on l'a vu dans le poème que j'ai lu sur le Tibet, mais très peu. Il écrit sur les paysages qui vont devenir plus que des lieux de résidence, comme il les a appelés, mais des lieux d'interrogation du jeu. D'ailleurs, il disait en parlant de ses récits de résidence « My island books », évidemment dans le « island », le jeu de mots est limpide en anglais. Ce sont les terres du jeu. Et la France alors? Alors la France, c'est le dernier asile, c'est le lieu où il retrouve la lumière grecque, où il retrouve l'aridité, les roches, qui sont des éléments très importants dans sa poésie, où il se sent, je crois, enfin chez lui. J'ai l'impression que sous des dehors ironiques, vous êtes un romantique. Oh oui, mais je crois que tous les poètes, tous les écrivains, même les plus rigides, les plus... soi-disant rationnels, sont dans le fond des romantiques. Je suppose que l'explication freudienne, c'est assez simple. Les écrivains essaient de replonger dans leur enfance pour manier les côtés tordus qui ne sont pas résolus, pour devenir effectivement adultes. Mais être un romantique en 1970, cela signifie quoi?
C'est facile à sortir des épigrammes, mais je suppose que, en contraste avec la plupart des gens, le romantique est toujours en lutte avec lui-même. Alors, que Laurens Durel soit un romantique lui-même, ça ne fait pas de doute. Est-ce qu'il était aussi d'inspiration romantique, entendue au sens du romantisme du 19e siècle ? Il était nourri de Wordsworth, il était nourri de Coleridge, de Shelley, de Keats. Il était aussi nourri des grands poètes et des grands romanciers français, Rimbaud, Nerval, Valéry, Flaubert. Tout cela, ça fait partie véritablement du terreau dans lequel Laurens Durel va puiser. Mais stylistiquement, on ne retrouve pas cette forme qu'on pourrait qualifier de classique dans ses poèmes ? Très peu. Ce sont des poèmes souvent en vers libre, rarement des formes reconnaissables du type sonnet par exemple, même si on en trouve quelques-uns. Et à la fin, la dernière moitié de sa production poétique est une production qui va devenir de plus en plus abstraite et dans laquelle il va travailler l'éclatement total de la syntaxe. Donc là, on est vraiment dans l'expérience de la recherche poétique et on se dégage totalement des influences romantiques qui sont encore perceptibles au début. Et est-ce qu'il y a une correspondance entre l'évolution dans ses poèmes et l'évolution dans le style de ses romans ? Est-ce que vous avez pu lire en parallèle l'évolution des deux genres ? Oui, alors c'est ce que j'ai fait, parce que quand je me suis intéressée à la poésie de Laurens Durel, j'ai voulu la considérer en miroir, en quelque sorte, avec sa production romanesque. Et on s'aperçoit que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment l'alpha et l'oméga de l'écriture, à chaque fois qu'il écrit, il écrit toujours de la poésie. La poésie est toujours présente. Et la première production poétique, c'est-à-dire en gros celle qui va de 1943 jusqu'à 1955, donc qui correspond en fait au premier roman qui s'arrête avec la publication du Quatuor d'Alexandrie, ce sont les poèmes qui sont les plus proches de l'expérience romantique, c'est-à-dire de cette exploration de l'intime. Et puis la poésie, c'est aussi peut-être une manière de peindre le paysage. Vous êtes aussi un peintre dans votre prose. Mais là, vous savez, vous tombez sur une question qui était plutôt technique avec le quatuor. J'ai employé toutes mes ressources poétiques pour ne pas laisser tomber le lecteur. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est difficile de fabriquer 4 bouquins sur le même sujet, toujours en répétition avec des autres reflets. Parce que, au point de vue métaphore, il n'y a que 3 ou 4 pour un olivier ou pour un palmier. Mais chaque fois que vous ressortez votre palmier, il faut le renouveler. Alors j'ai utilisé toutes les ressources que j'avais à ma disposition poétique pour garder la fraîcheur de la peinture, pour que le pauvre lecteur ne tombe pas dans les pommes. Là encore, vous souriez, Isabelle Keller-Privat. Ah oui, parce que je trouve que nous sommes en train de parler d'un sujet extrêmement sérieux, la poésie, et qu'on aurait presque tendance à oublier que Laurens Durel était aussi un auteur drôlement... sérieusement drôle, pas juste sérieux. Et il nous en donne un exemple magnifique ici, la poésie pour ne pas tomber dans les pommes, la poésie pour soutenir le lecteur. Et ça va effectivement à l'encontre de cette vision classique de la poésie comme quelque chose d'impénétrable, d'hermétique, d'obscur. La poésie, c'est le souffle qui porte, et c'est le souffle qui porte tout le Quatuor d'Alexandrie, effectivement, dont certains passages se scandent exactement comme un poème. Mais il était sérieux quand même, Laurens Durel, quand il écrivait de la poésie, ou c'était à l'inverse plutôt un divertissement ? Non, il était très sérieux quand il écrivait la poésie. Il y a quelques poèmes qui sont des poèmes humoristiques, mais chez lui, véritablement, il y a un enjeu dans l'écriture de la poésie. C'était en tant que poète, fondamentalement, qu'il aurait voulu être reconnu. Il vivait en poète ? Il vivait en poète. Il avait cette attitude, je pense, d'interrogation, de questionnement, qui caractérise les grands poètes.
Alors il l'a dit, la poésie c'est une poésie picturale, on vient de l'entendre dans cette archive. Est-ce que vous avez regardé la peinture de Lorenz Durrell en même temps que vous avez lu les poèmes, et est-ce que vous y avez trouvé là encore des choses qui se correspondaient? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans certaines peintures de Lorenz Durrell, on voit des compositions qui font songer aux compositions cubistes. Ces fragmentations de plans qui ne coïncident jamais, cet éclatement de la perspective. Alors, on retrouve évidemment le Quatuor d'Alexandrie, avec cette fameuse image de Justine que l'on pourrait peindre avec plusieurs profils à la fois. Et on retrouve effectivement l'éclatement qui caractérise l'écriture poétique et surtout le travail de la couleur et de la lumière qui fonctionne comme un rythme. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nous allons poursuivre avec vous cette conversation, Isabelle Keller-Privat. Mais comme chaque jour, à 15h30 sur France Culture, c'est le moment d'aller jeter un œil du côté des revues, et en particulier du côté de la NRF, puisque Michel Crépusson, directeur, est avec nous dans ce studio. Bonjour Michel. Bonjour Mathieu. Et vous voulez d'abord saluer, je crois, la mémoire du regretté Tsvetan Todorov, disparu le 7 février dernier. Oui, absolument, et je garde en souvenir, comme vous aussi je pense, sa présence à cette table il y a quelques 3 mois. Oui, il était venu parler d'Oscar Wilde. Il était venu parler d'Oscar Wilde, et on voyait que la maladie était vraiment l'avait absolument dévasté physiquement, et j'avais admiré cette façon qu'il avait eue de venir au micro et de parler d'Oscar Wilde, qui est la grâce même, avec une intelligence et un tact absolument... Une vivacité totalement intacte. Oui, oui. Et son parcours est emblématique de ces 40 dernières années, d'un homme sorti du glacis soviétique, qui avait connu la Bulgarie communiste, et pour qui le structuralisme, il me l'avait raconté, avait correspondu pour lui à une sorte de liberté possible, une relation possible au texte en dehors de l'idéologie, et puis qui ensuite l'a amené à se réinterroger sur les relations de la littérature avec l'histoire européenne et la confrontation européenne avec l'altérité. Tout cela, Todorov l'a transmis au long de ses nombreux livres. L'étudiant que j'étais à Sancier dans les années 70 avait dans son cartable l'introduction à la littérature fantastique, qui était vraiment un must, enfin, des études littéraires de l'époque. Et puis il a vraiment été un humaniste dans la grande tradition de l'humanisme intellectuel depuis le XVIe siècle, qui rend bien triste sa disparition. Alors vous avez aussi été au cœur d'un feuilleton politico-judiciaire avec la mise en examen de Pénélope Fillon, qui vous touche un peu par la bande puisque vous étiez directeur de la revue des Deux Mondes. Vous avez voulu réagir dans une tribune du Monde pour non pas parler de cette affaire, mais pour au contraire affirmer l'importance des revues aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous semble important dans le fait qu'il y ait encore et toujours des revues dans le contexte actuel? Merci de signaler ce texte qu'en effet, je n'ai pas du tout écrit en vindicte à l'égard de la Revue des Deux Mondes dans son évolution actuelle, dont j'ai pas grand-chose à faire. Après, j'ai quitté depuis 2 ans, c'est pas du tout le problème. Le problème, en effet, c'est de réinscrire et de redire avec une certaine hauteur, un certain recul, le rôle fondamental tout au long de l'histoire de l'art, de la littérature, des idées du XXe siècle, encore aujourd'hui, le rôle fondamental des revues, qui ont toujours été, pas toujours avec bonheur, mais toujours été des lieux de liberté, des lieux d'avertissement, des lieux de pressentiment. On pourrait rassembler... Plus que les journaux, selon vous?
Oui, peut-être plus que les journaux, quoique j'ai un immense... Pour avoir été journaliste moi-même dans un quotidien à la Croix, je sais très bien la valeur du journalisme, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui avec beaucoup de facilité et beaucoup de paresse intellectuelle. Mais les revues disposent d'une temporalité qui leur est propre, d'un espace où la pensée, où la forme, la recherche d'une forme sait qu'elle peut se déployer à l'abri. Mm-hmm. Un des fondateurs de la NRF, je ne sais plus, j'avoue lequel, je crois que c'est Schlumberger, Jean Schlumberger disait la NRF doit être un lieu pour les écrivains à la fois de liberté et où ils se sentent chez eux. Qu'il y ait les deux, hein, une possibilité de refuge et une possibilité de, au contraire, de sortie et de, d'aventure. Merci pour ce plaidoyer pour les revues auxquelles, bien sûr, nous nous associons tous les jours à 15h30. Merci. À bientôt, Michel. Continuons de parler de la poésie de Lorenz Durel avec Isabelle Keller-Priva. Mais comme la poésie est partout chez Durel, jusque dans ses romans, eh bien, c'est le moment de faire un détour par l'autre grande suite romanesque de Durel, autre que le Quatuor d'Alexandrie, bien entendu, j'ai nommé le Quintet d'Avignon. Une fois de plus, nous descendions le Rhône, éclaboussant le ciel de passage de Verdi, à demi grisé par la riche poésie de Mistral. Mais nous avions perdu du temps, nous avions perdu beaucoup de temps, et le soir tombait déjà lorsque, au détour d'un méandre du grand fleuve, s'offrit à nous un spectacle d'autant plus remarquable que la pleine lune, subitement apparue, se levait avec une splendeur rhétorique au-dessus des remparts d'Avignon. Dominant toute la ville, se dressait le rocher de Don, les jardins suspendus de cette Babylone désertée. Il semblait que le destin avait choisi de nous retarder pour nous dédommager ensuite par cette spectaculaire arrivée dans la cité qui devait plus tard prendre pour nous tant d'importance. Ce que nous ignorions tous alors. Aujourd'hui, lorsque j'y repense, je tente d'exhumer cette première impression. La merveilleuse silhouette de la ville, magnétiquement illuminée par le clair de lune, baignant la chaîne des Alpilles. C'est encore la meilleure façon de la découvrir, sur le fleuve et de loin, avec son historique pont en ruine pointant vers l'autre rive. Et la petite chapelle Saint-Nicolas, avec ses lampes brillantes consacrées à la bénédiction des navigateurs. Nous avions glissé durant près d'une heure parmi des îles silencieuses et des canaux déserts, regardant s'élever sur le ciel nocturne les crêtes dénudées de ses veines, et puis, tout à coup, cette austère apparition magique. Il fallait une beaucoup plus grande connaissance de la ville pour atteindre à l'étonnante conclusion qu'elle n'était belle que de profil. Les palais des papes sont une horreur, un monument de laideur triviale. Rien ici n'a été construit pour le charme ou la beauté. Tout a été sacrifié à la sécurité des trésors qu'abritaient ces bâtiments. Mais il faut circuler dans la ville pour s'en rendre compte. C'est une cathédrale à maman. Un extrait du Quintet d'Avignon, lu par Jean Topard. C'est un jugement architectural tout de même original, je trouve, du narrateur de trouver le palais des papes, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur cette vision. C'est un très très beau passage qui nous rappelle que la poésie est bien présente dans le Quintet d'Avignon. On a tendance à considérer que le Quintet est toujours inférieur au Quatuor. C'est pas le cas selon vous ? Je ne sais pas. Je crois que peut-être sur le plan de... On peut comprendre là, cet aspect de métafiction qui pourrait éventuellement rebuter un peu le lecteur habitué à la fluidité du quatuor. Mais je crois le quintet très intéressant justement de par la façon dont il conduit cette expérience d'écriture qui est un peu moins peut-être présente dans le quatuor. C'est une magnifique description de ville, caractéristique des villes chez Durel. La ville est transfigurée.
Et quand on la voit de face, c'est-à-dire quand on voit l'objet lui-même, l'objet est laid. C'est l'angle, l'oblique, Durel et Média qui l'écrivaient « at an angle to the world », à l'angle du monde, à l'oblique, de biais. C'est de biais que les choses acquièrent leur beauté, leur lumière. Donc ça n'est pas tant le palais des papes qui est laid, c'est la façon, l'angle par lequel le narrateur le regarde ? Oui, alors on parlait d'Alexandrie, on disait que derrière Alexandrie, hier, il y avait Cavafy. Là, on entend Mistral derrière Avignon. Avignon aussi, c'est la cité, c'est la fameuse cité de Saint-Augustin. C'est le début d'une réflexion sur le poids de la religion qui va se traduire par cette exploration de l'histoire des Templiers et de la façon dont la religion devient cette machine de guerre dont a parlé Deleuze, mais cette machine de pouvoir. Et la cité des papes incarne cela dans Avignon. C'est peut-être ce qui la rend belle, justement. Enfin, voilà. En tous les cas, ce qui la rend impressionnante. Il y a, formellement, vous l'avez dit, une évolution notable avec le quintet d'Avignon. Vous avez commencé de nous l'expliquer, mais peut-être qu'on peut aller encore un petit peu plus loin et voir ce qui fait vraiment la spécificité de cette suite romanesque chez Durel. Alors, quand il commence à écrire le quintet d'Avignon, la réception est assez mauvaise, parce qu'on s'est habitué au quatuor, parce qu'on a aimé les personnages du quatuor, et pourtant, dès le quatuor, Durel nous prévient, il nous dit que les personnages ne sont plus ces entités humaines discrètes. Et cette expérience-là, il la pousse jusqu'au bout dans le quintet. Et donc, ça donne des passages. Ça veut dire quoi? Ne sont plus ces entités humaines discrètes. C'est-à-dire que ce ne sont plus des entités réalistes du tout. Donc, dans le quintet, on a des personnages qui se dédoublent à l'infini. On a des jeux de poupées russes à travers lesquels le narrateur volontairement égare le lecteur qui ne sait plus qui il entend. Et donc c'est toujours un peu désagréable quand on lit de la fiction de ne pas savoir où on en est. On accepte de flotter dans la poésie, on l'accepte peut-être un peu moins quand on lit la prose. Et ça donne des expériences assez surprenantes avec un texte qui véritablement va se dédoubler à la fin du quintet, qui va se dédoubler en deux colonnes, où le double des personnages vont correspondre, où les fictions des fictions vont se répondre dans un texte dans lequel les phrases ne coïncident pas, sont comme décollées les unes des autres. Et pourtant, quintet d'Avignon, quatuor d'Alexandrie, il n'y a pas de hasard, j'imagine, dans la similitude entre les deux titres. Est-ce qu'il y a volonté d'une continuité ? Oui. Alors la continuité, elle est d'abord donc dans cette expérience d'écriture qui est poussée jusqu'à son terme presque, et elle est aussi dans la réflexion métaphysique et spirituelle que conduit Laurence Durel. C'est-à-dire que tous les fils qu'il a commencé à tisser dans le quatuor vont devenir explicites, et c'est peut-être cela qu'on pourrait reprocher au quintet par moments, c'est d'être un peu trop explicite, en particulier sur le poids que représente la psychanalyse, ouais, d'une part. Les fils deviennent des ficelles ? Peut-être. Ah, ça vous fait du mal de dire ça. Je le sens bien. Non, c'est-à-dire que ça reste très complexe parce que quand il cite explicitement ses sources psychanalytiques ou quand il cite explicitement ses sources dans le bouddhisme zen, il va plus loin que nous donner les ficelles de son œuvre. Il va les retravailler. Et il va créer ces jeux, alors à travers des jeux énonciatifs, à travers des décalages. Il y a du jeu, G-E-U dans cette langue-là. Le lecteur est constamment déstabilisé. Donc, si on parle de ficelle, on parle de quelque chose de facile à interpréter. Et on n'est jamais dans une interprétation limpide avec Laurence Durel. Il y a la question de la gnose dans le quintet d'Avignon. Pas simple à comprendre non plus. Vous pouvez nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, la gnose, elle commence dès le quatuor avec le personnage de Balthazar. Et puis, elle trouve son achèvement à travers les échanges entre Blanford et Sutcliffe et le personnage de Constance et la quête de connaissance de soi que va mener Constance de deux manières, à travers le yoga d'une part et à travers la psychanalyse d'autre part. Je pense que c'est dans la poésie
que la gnose, que cette quête de la gnose, en fait, est la plus aboutie chez Laurence Durel. Et cette gnose, c'est quoi? C'est l'idée que les êtres humains sont des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel créé par un dieu qui serait mauvais. Ce sont les sources, entre guillemets, sur lesquelles il s'appuie. Ce qu'il compte en faire, je pense, c'est nous montrer que le monde que nous voyons n'est qu'une apparence et qu'il faut se dégager. Il parle des oripeaux de la réalité, il parle de la coquille à travers laquelle il faut arriver à regarder pour accéder à une autre réalité. Et c'est, je pense, là la supériorité très clairement de la poésie sur la fiction à l'époque où il en arrive au Quintet d'Avignon, c'est-à-dire que cette réalité immanente, en quelque sorte, ce que quelqu'un comme Yvonne Foix appelle la présence, apparaît dans la poésie, alors que je crois qu'elle est assez masquée encore dans le monde, dans l'univers sombre du Quintet. S'il vous fallait choisir, hypothèse absurde, entre tous les genres que vous avez pratiqués, quelle forme littéraire retiendriez-vous comme la plus chère à votre cœur ? Oh, les poèmes, évidemment, mais je crois que tous les écrivains peuvent répondre dans le même sens. Ils sont le plus intime, le plus difficile à arriver à camper. Et puis, dans le sens le plus profond, ça dégage beaucoup mieux l'esprit que des autres choses en prose, des romans, etc., etc. On condense des expériences, on a impacté les mots. Et vous avez dans trois lignes quelque chose qui pourrait servir à un roman. Oui. Est-ce que vous pensez être allé en poésie aussi loin que vous le souhaitiez quand vous avez commencé à écrire des poèmes? Non, effectivement, non. Je crois que j'ai manqué le coup. Il fallait me suicider à 25 ans. Je pourrais être très célèbre. Mais si on vit après 25 ans, c'est fini. Des auteurs que vous écoutez. Un entretien avec Marc Alain en 1971, Isabelle Keller-Privat, 1971, c'est-à-dire 2 ans avant le dernier recueil de poésie, on pourrait dire le suicide poétique de Laurence Durel. Alors, 1971, c'est la date de parution de ce carnet assez peu connu qui s'appelle The Red Limbo Lingo, qui est composé de deux parties. Une première qui ressemble à de la prose poétique, qui est une prose totalement désarticulée. Et la deuxième partie, ce sont les poèmes qui vont ensuite être republiés en 73 et constituer le dernier recueil qui s'intitule Vega. Et Vega est un recueil placé sous les auspices de cette étoile inaccessible que constitue la quête poétique pour Laurence Durel. Et alors ce recueil, Vega, il réaffirme la clôture impossible de l'œuvre, écrivez-vous. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que l'écriture poétique, lorsqu'elle est aboutie, rejoint son objet. Elle rejoint cet espace-temps dont nous parlions tout à l'heure. Elle rejoint ce monde du sensible, mais d'un sensible qui dépasse les apparences, qui préexiste à tout et que le poète, auquel le poète tente de s'unir. Et c'est d'ailleurs là qu'on parlait de gnose tout à l'heure, qu'on sent bien l'influence zen de cette quête d'une unicité avec le monde. Alors plutôt... Donc c'est l'infini. Oui. Plutôt dans sa carrière, si l'on peut dire, il y avait eu d'autres recueils qui ont retenu en particulier votre attention, notamment The Icons, qui date de 66, c'est-à-dire 11 ans après le précédent recueil, qui date lui de 1955 et qui s'appelle The Tree of Illness. Voilà. 11 années durant lesquelles il s'est peut-être pas désintéressé, mais en tout cas il s'est un petit peu éloigné de la poésie.
Oui, The Icons marque à mon sens vraiment une rupture dans sa production poétique. C'est la première fois qu'il s'écoule autant d'années avant que Laurence Durel ne produise un recueil de poèmes. C'est un recueil aussi très différent des autres parce que les autres suivent en quelque sorte le fil de ses voyages. Et The Icons va reprendre des poèmes qui ont paru dans des revues, dans des anthologies et constituent véritablement un assemblage de textes qui sont écrits pendant que Laurence Durel, à la même époque, s'intéresse au théâtre. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, mais il écrit en particulier deux pièces de théâtre, Actée et Sappho, qui sont des pièces en vers. Et lorsqu'on découvre The Icons, finalement, en 66, c'est un peu comme si Laurence Durel nous offrait son œuvre noire, tout ce qu'il a écrit dans le secret, dans le secret de ses archives et qu'il nous livre 11 ans après. Et puis, c'est un titre quand même paradoxal, qu'on sent très inspiré de la Grèce, avec très sacré, justement. Très sacré, qui semble nous annoncer des textes de l'ordre de l'image, de la représentation, et qui marque une rupture totale avec cette représentation de l'espace, et qui nous ouvre les portes d'une écriture beaucoup plus abstraite. Donc c'est un point de rupture aussi dans son œuvre. Comment faut-il lire la poésie de Laurence Durel, parce que vous nous avez donné évidemment très envie de la lire. Puisqu'il nous reste quelques minutes, un petit mode d'emploi, si l'on peut dire, pour arriver à saisir la poésie de Laurence Durel. Alors, il nous donne plein de clés, lui-même, pour la saisir. Il dit dans le Quatuor, je crois que c'est une remarque attribuée à Percy Warden, que les poèmes doivent être pris les uns après les autres et qu'on doit les laisser se dissoudre dans l'esprit. Mmh. Il dit à d'autres endroits que la poésie, elle vient de rien, elle ne vient de rien. Et puis peut-être que le poète n'aspire qu'à une chose, c'est à retourner vers ce rien. Il dit aussi que la poésie, c'est une compilation de tensions. Je crois qu'il faut accepter de se laisser transporter et de se laisser aussi déposséder de toute tentative de rationalisation. Alors c'est difficile, évidemment, quand on cherche à travailler sur sa poésie, mais c'est d'abord un abandon de soi que nous demandent les poèmes de Laurence Durel. Ça a été pour vous un exercice, par exemple, d'arriver à cet abandon-là ? Arriver à cet abandon-là, arriver d'abord à se laisser porter par les sensations du poème, des sensations musicales, des sensations rythmiques, des sensations visuelles, qui font que la poésie véritablement va prendre racine et ensuite laisser remonter les échos. Et les lecteurs de la poésie de Durel, est-ce que lui-même les envisageait d'une manière ou d'une autre ? Écrivait-il pour lui ? Écrivait-il pour ses lecteurs ? Je crois qu'il écrivait pour un lectorat très averti. Il écrivait surtout à partir de 1943 très clairement pour T.S. Eliot, qui le publiait, qui le relisait, qui le conduisait à faire des corrections, que ça soit des corrections dans le texte ou des corrections dans l'assemblage des poèmes. Donc c'est une écriture qui attend un lecteur patient et qui appelle un lecteur aussi exigeant. Pour terminer, vous avez écrit que la poésie chez Durel, c'était la voix des morts. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? La poésie chez Laurence Durel, elle est très profondément une interrogation de la finitude, de sa propre mort, de la mort. Et c'est en ce sens-là que je pense qu'on peut dire que la poésie de Laurence Durel est aussi profondément philosophique. Et donc on y retrouve les deuils de sa propre enfance, peut-être de sa jeunesse perdue, les deuils de sa dernière femme, peut-être aussi Claude à un certain moment. C'est ça les cendres de la poésie ? Je crois que c'est plus profond que cela. Je crois que cela dépasse vraiment l'expérience personnelle de la mort. La question que pose la poésie de Laurence Durel, c'est une question plus vaste qui est celle du rapport de l'homme à sa propre mort. Est-ce qu'il donne une quelconque réponse? On imagine que non, puisque vous venez de nous expliquer qu'il ne fallait pas chercher à comprendre la poésie de Laurence Durel, mais simplement à l'appréhender, à se laisser bercer par elle. Alors, non. Ce que j'ai voulu dire, c'est que pour la comprendre, il faut la comprendre en l'apprivoisant par le monde sensible.
plutôt que par l'intellect. L'intellect est second, la compréhension rationnelle est seconde. Mais oui, bien sûr qu'il faut comprendre la poésie de Laurence Durel, parce que je crois qu'elle a beaucoup à nous apporter. Et c'est ce qu'on va s'employer à faire dès que cette émission sera terminée. Merci beaucoup Isabelle Keller-Privat d'être venue nous parler donc de la poésie de Laurence Durel. Je rappelle que vous avez publié, c'était en 2012, Migration, Exil, Errance et Écriture aux presses universitaires de Paris-Ouest. Et je signale également cet ouvrage dont nous avons parlé durant toute cette émission, Between the Lines, l'écriture du déchirement dans la poésie de Laurence Durel. C'est paru en 2015 aux presses universitaires de Paris-Ouest également. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier épisode de notre série consacrée à l'écrivain britannique Laurence Durel. Né aux Indes en 1912, Durel meurt dans le sud de la France, à Sommières exactement, à l'âge de 78 ans, après avoir vécu dans de très nombreux pays, en particulier au bord de la Méditerranée, où il a décrit avec mélancolie et sensualité les paysages et les femmes rencontrées durant ses diverses villégiatures. Nous en parlions lundi, c'était avec l'écrivaine Béatrice Comanger. Au-delà de cette sensualité, il y a chez cet écrivain tout un univers qu'il appelle héraldique, une relation au mythe de l'enfance et à ceux de l'histoire longue qui donne à ses romans toute leur profondeur. Corinne Alexander Gardner l'a évoqué mardi en même temps qu'elle nous racontait la relation de Durel avec son sulfureux père américain Henry Miller. Enfin hier, c'est sur la poésie que nous nous sommes arrêtés, cette poésie qui est partout dans l'œuvre, y compris dans les romans. Isabelle Keller-Privat nous a détaillé tout cela. Toutes ces émissions sont bien entendu disponibles en podcast. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour terminer au plus près du texte ces quatre épisodes, j'ai convié Eglal Herrera. Elle est écrivain, éditrice, traductrice, réalisatrice de films documentaires et elle a adapté pour France Culture la tétralogie de Durel, Le Quatuor d'Alexandrie. Avec elle, nous allons parler donc de cette tétralogie, de son adaptation et aussi en écouter des extraits afin de se mettre Durel dans l'oreille. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Littéralement par le paysage et nous avons toujours cette illusion d'être séparés, d'observer, d'être observateurs. Effectivement, nous sommes travaillés par des forces inconnues que j'appelle paysage ou endroit, lieu. Et exactement comme les fleurs, le faune, les fruits, les idées aussi sont le produit d'un lieu spécial. Par exemple, regardez comme, disons, une cour des idées, comme, disons, le catholicisme est modifié de l'Espagne quand il arrive en Italie. Comparer l'Italie avec la France, vous avez la même doctrine, la même religion, mais vous avez, c'est très nuancé dans tous les trois sens. Et je crois, par exemple, que l'islam, c'est de source juive, judaïque dans les idées, mais que l'austérité vient du désert. Laurence Durel, au micro de Bruno de Cessol. Bonjour Eglal Herrera. Bonjour. Est-ce que vous pensez, comme Laurence Durel, qu'on vient d'entendre à l'instant, que les paysages façonnent les êtres ?
Je ne sais pas personnellement si les paysages, il faudrait que je réfléchisse, mais ce qui est évident, c'est que dans l'œuvre de Durell, et en particulier dans le Quatuor d'Alexandrie, les paysages tiennent une place absolument essentielle. Il décrit Alexandrie d'une façon récurrente, à chaque fois que le narrateur passe à un autre épisode, un autre chapitre de sa rédaction, il évoque Alexandrie. Le Quatuor a été conçu lorsqu'il était à Chypre. Il a commencé un tout petit peu à l'écrire, mais c'est à Sommières qu'il a en fait écrit. Effectivement, il décrit le lieu même de Chypre, le promontoire où le narrateur se souvient des années passées à Alexandrie avant la guerre, et Alexandrie émerge du fond de l'horizon méditerranéen. Il a aussi des pages absolument incomparables sur le désert, puisque le deuxième tome du Quatuor, le Quatuor est composé donc de 4 tomes évidemment, la fameuse Justine que beaucoup de monde a lu, et puis Mount Olive, qui est une espèce de flashback qui va éclairer la suite du Quatuor et qui se passe dans le désert, à quelques kilomètres d'Alexandrie. Et là, effectivement, et convoque toujours Durell, tous les sens sont là, dans la description des paysages. Alors, on va parler de tout ça, Eglalie Herrera, mais si je voulais vous faire écouter d'abord cette archive sur les paysages, c'est parce que vous-même, vous avez connu de nombreux paysages dans votre vie, et peut-être avez-vous été façonné par ces divers paysages. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai été façonné par ces divers paysages, mais je suis née à Alexandrie, et je reste une Alexandrine. J'ai entendu un jour une femme copte justement qui disait Alexandrie est un tatouage. Alors c'est plus qu'être façonné par, c'est être tatoué. Ça veut dire marqué à vie. Marqué à vie, on tourne la page, on dit c'est terminé, Paris est la plus belle ville du monde et puis France Culture vous appelle pour venir parler d'Alexandrie et la tour remonte et voilà, et Alexandrie réapparaît. Donc c'est la ville de votre enfance, mais vous y êtes toujours en fin de compte. J'y suis et je n'y suis pas, mais c'est vrai que lorsque ce nom est évoqué, et puis je me suis rendu compte qu'effectivement ça avait été un privilège d'être une enfant d'Alexandrie. Bon, moi je suis d'une génération où le cosmopolitisme était plus que moribond, mais bon, il y avait le récit des anciens ou même de mes parents, et puis effectivement il y avait à l'école des classes qui étaient totalement cosmopolites avec une espèce de porosité de connaissances des différentes cultures. On avait tous les calendriers religieux en tête, on n'était jamais surpris de l'absence d'une grecque orthodoxe le 6 janvier, on était voilà, et puis il y avait effectivement toutes les langues qui sont dans l'oreille, et tous les noms d'ailleurs que souvent Durell dans le Quatuor égrène, ne serait-ce que les noms de famille de mes camarades de classe ou des amis de mes parents, c'est tout le bassin méditerranéen et quelque part l'Empire ottoman qui était là. Vous parlez du cosmopolitisme, c'est précisément parce que Le Quatuor est un roman justement de ces personnages cosmopolites qui se retrouvent avant la guerre, la seconde, et pendant la Seconde Guerre mondiale à Alexandrie. Oui, absolument. Alors, donc ça veut dire qu'Alexandrie, cette Alexandrie de Durell n'existe plus ? Non. Elle a disparu. Il y a encore quelques fantômes. Le cosmopolitisme se trouve dans les cimetières de la ville. Alors, vous êtes exilé d'une cité à laquelle tout le monde rêvait. Oui. Et cette ville, elle est autant imaginaire que réelle. Et c'est évidemment aussi le cas dans le Quatuor d'Alexandrie, où la frontière existe peu. Le fait d'ailleurs que Durell ait écrit à Sommières et à Chypre son Quatuor montre que c'est une ville qui est en grande partie rêvée, cette Alexandrie qu'il décrit dans le Quatuor. Certainement, bien que Durell, dans le Quatuor même, dit que dans cette œuvre-là, seule la ville est réelle.
Et je crois que ce sont les personnages qui sont très fantasmés. Vous savez, à Alexandrie, vous rencontrez il y a quelques années encore une demi-douzaine de femmes bien âgées qui considéraient avoir été la muse de Durel pour Justine, ou telle femme peintre pour le personnage de Cléa, qui est un très beau personnage dont on parle peu, mais peut-être mais plus beau d'ailleurs que le personnage de Justine. Moi, je trouve, et je trouve que c'est finalement la seule qui a eu vraiment accès à l'amour, et non pas simplement à la passion, à la séduction. C'est pas une femme fatale comme Justine, mais d'abord, elle est, d'après le personnage, est un personnage d'une très belle femme, un peu énigmatique, et effectivement, elle est, à mon avis, bon, et puis lui consacre le dernier volet de point d'orgue, du Quatuor. Le point d'orgue. Voilà, et ça se termine par ces mots à elle, hein, par la lettre qu'elle envoie au narrateur depuis la France. Voilà. Alors, peut-être qu'il a été trop pris par la ville quand il y était, Durel, pour écrire là-bas, puis de travailler au British Information Office, et c'est donc à Chypre, et d'ailleurs il écrit, il dit il a fallu que je prenne cette distance-là pour parler de l'emprise de cette ville sur ceux qu'elle avait élus pour être ses fantômes, hein, ses vivants fantômes, ses symboles. Voilà. Mais je pense qu'il s'est quand même très nourri de la ville elle-même. Alors, il y a des fantasmes. Moi, je me souviens du rejet de mes parents et de leurs amis face au Quatuor, où ils disaient que ce Durel, un, n'avait rien compris, et deux, avait tronqué beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'en travaillant sur l'adaptation, je me suis rendu compte que le soleil se couchait à l'est, que la promenade de tel personnage qui aurait dû durer 2 heures pour aller d'un point à un autre durait un quart d'heure, et qu'il avait une espèce de liberté. Il avait en fait un projet qui était un vrai projet littéraire dans la construction même de ces 4 livres. Alors justement, parlons de cette adaptation Eglal Herrera. C'était un livre culte. J'imagine oui. que quand on doit s'approprier un livre qui est d'abord fait de 4 livres et qui est en plus autant chargé en émotions et que les lecteurs aiment tellement, on doit se retrouver face à une espèce de terreur, une espèce de frayeur. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Alors au départ, oui. Ce que j'ai fait, c'est qu'il n'était pas possible pour une adaptation, un feuilleton quotidien, de reconstituer les 4 livres, puisque la structure du Quatuor est la suivante. C'est une espèce de Rashomon, de structure en miroir pour les 3 premiers tomes, avec pas simplement la vérité de chaque personnage, mais le dévoilement très progressif des événements qui se passent, où effectivement on se rend compte 300 pages après la description d'une soirée mémorable qu'en fait il se passait en coulisses tel ou tel élément, et qu'en fait tout le monde, et à commencer par l'auteur lui-même, a été d'une farce qu'il ne maîtrisait pas du tout. Mais pour l'adaptation, il a fallu que je mette à plat et que j'ouvre effectivement à chaque épisode une brèche et une énigme à laquelle l'épisode d'après répondait. Donc j'ai mis à plat. Donc vous avez repris la chronologie. J'ai une chronologie de 30 pages où qui est thématique aussi, et où j'ai relisté absolument tous les événements. Et ce qui m'a libérée, c'est que Durel n'est pas très rigoureux. Ah. Et que ça n'a pas d'importance, parce que la vérité est ailleurs, où il n'y a pas de vérité. C'est ce qu'on comprend à la fin du Quatuor, c'est qu'il ne donne pas de clé. Et donc, j'avais l'impression, j'ai rencontré très rapidement une fois, et c'est comme s'il me tapait sur l'épaule en me disant, mais allez-y, allez-y carrément. Vous avez rencontré Durel une fois? Je l'ai croisé, il signait son livre dans une librairie, et j'ai voulu parler d'Alexandrie, et il n'a pas eu envie, quoi. Ouais. Donc c'est comme s'il vous disait, faites ce que vous voulez, c'est ça? Oui, allez-y, allez-y, tout ça n'a pas d'importance. Alors écoutons
le résultat avec ce premier extrait en longueur du Quatuor d'Alexandrie. Pas à pas sur le chemin du souvenir, je reviens vers la ville où nos vies se sont mêlées et défaites. La ville qui se servit de nous, la ville dont nous étions la flore, qui jeta en nous les conflits qui étaient les siens et pensions être les nôtres. Bien-aimée Alexandrie, qui est-elle cette ville que nous avions élue? Dans un éclair, je revois un millier de rues où tourbillonne la poussière. 5 races, 5 langues, 12 de religions, 5 flottes croisant devant les eaux grasses de son port. Mais il y a plus de 5 sexes, et la Provence sexuelle qui est ici à portée de la main déconcerte par sa variété et sa profusion. Je me rappelle Nessim, disant un jour qu'Alexandrie était le grand pressoir de l'amour. Ceux qui en réchappaient étaient les malades, les solitaires, les prophètes, tous ceux enfin qui ont été profondément blessés dans leur sexe. Tout commença 20 ans avant mon arrivée en Égypte, dans une vieille maison dressée au milieu de lacs et de digues, non loin d'Alexandrie. David Montolive, un tout jeune attaché d'ambassade britannique, débarquait, muni d'une lettre d'introduction auprès des Rosnani, riche féodaux copte. Faltus, le patriarche qui se mourait d'une lente atrophie musculaire, et sa femme Leila, beaucoup plus jeune que lui, l'hirondelle noire comme l'avait nommée la bonne société alexandrine pour sa grande et sombre beauté. Érudite, son esprit s'était formé dans la solitude, la lecture et la correspondance qu'elle entretenait avec un cercle d'amis dispersés dans le monde. Pour calmer son intense curiosité, elle s'abonnait à des revues éditées dans les 4 langues qu'elle connaissait aussi bien que sa langue maternelle. Par la suite, Leila et Mount Olive partirent souvent à cheval dans le désert, sur la suggestion de Faltus. Et là, une nuit de pleine lune, étendue côte à côte sur la pente d'une dune doucement balayée par le vent. Attendez, vous avez une miette sur la lèvre. Et, se penchant sur lui, elle l'accueillit doucement avec le bout de sa langue. Mantorlive sentit alors le sang quitter son visage, et il fut pris d'une grande faiblesse. Mais Leila était là, si proche, si innocemment proche, souriant et plissant le nez, qu'il ne put que la prendre dans ses bras. Ils devinrent amants, si simplement, et apparemment avec une telle absence de préméditation, que pendant un moment, il comprit à peine ce qui venait de lui arriver. Pourquoi moi, Leila? Pourquoi toi? Parce que tu es anglais, je suppose. Pour Shakespeare et pour Keats. Parce que je suis anglais ou bien parce que je suis jeune et bien portant? Tu fais allusion à Faltus, c'est ça? Écoute-moi bien, David. Je ne permettrai pas qu'on lui manque de respect. Il est noble et généreux. Mais... l'aime et je ne ferai jamais rien qui puisse le blesser. Mais comment peux-tu alors? Que tu es bête, Montolive, que tu es bête. C'est lui qui m'a dit de te prendre pour amant. C'est pour cela qu'il t'a proposé de rester. Et c'est pour cela que tu as choisi d'aimer la littérature anglaise à travers moi, plutôt que moi? Merde alors. Mon petit, tu ne sais donc pas combien l'amour est dangereux. Voilà pour ce premier extrait du Quatuor d'Alexandrie dans votre adaptation Eglal Herrera. Didier Sandre joue Nessim, Valérie Lang joue Justine. On peut citer aussi Christophe Giordano, Anne Alvaro, beaucoup d'autres encore, dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy. Pourquoi avoir choisi de nous faire entendre cet extrait? D'abord, je trouve
Le début de l'extrait, en fait, ce sont deux passages différents dans le quatuor. L'un est dans le premier tome et l'autre est dans le troisième tome. D'abord parce que les deux premières pages du quatuor sont mythiques et il pose effectivement absolument le propos de son travail, de son écriture. Qu'est-ce qui les rend mythiques ? Qu'est-ce qui les rend ? Oui, qu'est-ce qui les rend mythiques ? Ce qui les rend mythiques, d'abord, c'est la façon dont il parle d'Alexandrie, cette énigme que lui pose cette ville, et le fait qu'effectivement, au moment où le narrateur Darley écrit, il comprend déjà qu'il a été le jouet de cette ville qui l'a fasciné, et des femmes, en particulier Justine, pour laquelle il a eu une passion immodérée, voilà. Et puis j'ai trouvé que le deuxième extrait, la deuxième partie de l'extrait. D'abord, je voulais rendre hommage au personnage de Layla, la copte, qui est un personnage magnifique, alors qui a un destin terrible après parce que elle est atteinte de petites véroles et sa beauté part en lambeaux. Mais déjà, ce retournement. Dans le dialogue avec Mantoliv, le jeune anglais, déjà est assez saisissant, puisqu'on comprend que c'est le mari qui, quelque part, l'autorise. Et puis, il y a 3-4 retournements concernant et Faltus et sa femme Layla, et Mantoliv et Layla. Donc, c'est vraiment un extrait assez condensé où, effectivement, qui montre que ce livre est nous prend à contre-pied tout le temps, quoi. En fait, l'histoire du quatuor est difficile, voire impossible à résumer. Mais s'il y avait une trame très générale, est-ce que vous pourriez la résumer comme ça ? Que je vous raconte le quatuor ? Non, justement pas. Juste mon Dieu. Donner simplement l'enjeu de ce livre. L'enjeu de ce livre, l'histoire de ce livre, c'est justement ce Darley qui est Durell, qui est alors dans le quatuor un professeur, un jeune professeur à Alexandrie, qui n'a pas accès à la grande société, mais qui rencontre Justine, qui tombe amoureux d'elle, ils deviennent amants. Justine est la femme d'un banquier copte, Nessim, qui est tout aussi mythique qu'elle. Justine est mythique, mais le couple Nessim Justine est mythique. Et en fait, quelle est l'histoire ? C'est que derrière cette rencontre, derrière la liaison entre Justine et Darley, il y a un complot qui, à mon avis, est simplement là pour permettre à Durell de parler d'autre chose d'une façon romanesque. Et c'est un complot entre des notables coptes dont Nessim et un comité juif en Palestine qui s'allie pour mettre les Anglais qui étaient l'Égypte était sous mandat britannique, la Palestine également, donc une façon de les mettre à la porte. Et donc c'était toute une machination pour neutraliser Darley. Et voilà, et ça se termine par la guerre, le départ de Darley, la chute de Nessim apparente et de Justine, et qui renaissent de leurs cendres à la fin du quatuor. Mais vous voyez, voilà. 4 tomes, des centaines de pages résumées très très bien par vous, Egla Herrera. Je vous propose d'écouter justement sur le couple Justine-Nessim un deuxième extrait de votre adaptation. Elle s'en allait vers la ville, d'une démarche nonchalante. Elle abandonna un moment les vieux lambeaux de sa chair, tandis que montaient les bribes nasillardes d'une chanson d'amour syrienne. Certains disaient qu'elle n'était qu'une pâle reproduction moderne des grandes étaïres du passé, Laïs, Caris et les autres. Elle avait le pouvoir de blesser les hommes, et elle les blessait. Comme tous les êtres amoureux, il y avait de la déesse en elle. Justine. Au même moment, Nessim, vêtu d'un costume de lin blanc, sortait de la grande demeure alexandrine des Rosnani. Sa voiture l'attendait devant le perron. Il descendit le boulevard Saad Zaghloul, traversa la voie du tram et se laissa glisser par les pentes qui menaient à la mer.
Justine, Justine. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Par ma victoire ? Par ma défaite ? Bonjour, monsieur Snani. El Lahram, le franga égyptien. Les deux, comme d'habitude ? Comme d'habitude, merci. Bonne journée, Prince Nassim. Bonne journée. Prince Nassim était évidemment une plaisanterie. Du moins pour les boutiquiers et les commerçants en jaquette noire qui voyaient passer le riche banquier copte dans sa grande Rolls métallisée au chapeau de roue jonquille. Mais le surnom convenait admirablement à Nassim, car il y avait quelque chose de princier dans le détachement qu'il affectait devant l'âpreté du gain commune à tous les Alexandrins, même les plus riches. Pourtant, sous ses dehors aimables et nonchalants, se cachait une lucidité impitoyable. Et ses employés s'étonnaient toujours de voir qu'en dépit de son air absent, aucun détail de ses affaires ne lui échappait. Il le tenait pour une sorte d'oracle. Prince Nassim, ça lui va bien, hein, oui, ça lui va bien, ça lui va bien. Oui, mais je pense qu'il y avait beaucoup de princes Nassim ou autres dans cette grande société, haute société, qu'elle soit copte, musulmane, arménienne, juive, grecque. Mais effectivement, il faisait partie, donc c'est le fils de Faltous dont, et de Layla, dont, voilà, dont on a entendu... dans le premier extrait, le rapport qu'ils avaient. Et c'est lui, effectivement... d'ailleurs, le personnage de Nassim est tout aussi mythique. Et tout le monde s'est demandé si c'était un roman à clé, qui pouvait être Nassim. Et il y a eu des hypothèses, effectivement, qui allaient de Jean de Ménage, juif, qui s'est converti au catholicisme et qui était d'une grande famille juive, à d'autres grandes figures des notables d'Alexandrie. Donc ça a fait parler, hein, en 1957, quand c'est paru. J'imagine que Alexandrie était en ébullition, même si vous avez dit tout à l'heure que le livre avait été assez mal reçu, finalement. Ça, je ne sais pas. J'étais trop petite. Moi, j'ai découvert le Quatuor après. Et ça a été d'ailleurs un éblouissement immédiat. Et c'est là que mon père m'a dit, mais il n'a rien compris. Il vous a raconté quand même, a posteriori, la réception de ce livre. Oui, bien sûr. Qui a été un succès immédiat, qui a été traduit, et puis c'est une écriture tellement extraordinaire. La traduction le montre, mais alors quand on lit des passages en anglais, c'est une écriture absolument somptueuse. Donc il y avait quand même beaucoup d'anglophones à Alexandrie qui ont salué cette écriture. Mais il montre aussi le côté provincial parfois d'Alexandrie, le côté parfois petit bourgeois, et c'est peut-être ça qui a Les difficultés. Les personnages féminins, Justine, vient d'un milieu extrêmement modeste. Bon, c'est devenue une femme fatale qui a vécu de ses charmes et qui a donc fini par épouser ce grand banquier copte de Nassim. Mélissa, qui est une danseuse de cabaret et qui devient l'amante et la compagne du narrateur d'Arlée, est une chypriote venant de familles misérables. Et puis là aussi admirablement décrit et la paysannerie dans le domaine des Hosnani, justement, pas loin d'Alexandrie, et également la foule d'Alexandrie et le bas de l'échelle sociale, oui, certainement. Tout à l'heure, Eglal Herrera, vous avez évoqué les femmes, notamment Justine. Et c'est vrai que ce sont des romans dans lesquels les femmes sont très importantes. Et il y a peut-être plus de lectrices de Durel que de lecteurs de Durel. Est-ce que vous y voyez là quelque chose qui mériterait qu'on s'y intéresse, ou est-ce que c'est pour vous juste une coïncidence ? Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'autour de moi,
Ah non, 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 tout de même, il y a de grands, grands lecteurs de cette œuvre. Vous savez que Mankiewicz a voulu adapter le Quatuor et j'ai eu la chance extraordinaire de lire le scénario qui n'était pas terminé. Et ça a été une des œuvres à laquelle il tenait le plus. Et finalement, il n'a pas pu réaliser ce film. Il a réalisé Cléopâtre à la place. Donc, il est resté à Alexandrie. Mais je pense qu'il y a eu de grands lecteurs hommes. Henri Miller, par exemple, qui a beaucoup salué le talent de Durer. Mais est-ce qu'il n'a pas tout de même capté quelque chose qui parle aux femmes très très bien? L'amour, je ne sais pas. Vous croyez que ça ne parle pas aux hommes? Si, ça parle aussi aux hommes. Mais par exemple, prenez les invités de cette semaine dans la compagnie des auteurs, il n'y a que des femmes. On l'a c'est pas vrai. Fait exprès. Mais c'est vrai. C'est vrai que les personnes qui s'intéressent, pour ce qui concerne la recherche par exemple à Laurence Durel, ce sont des femmes. C'est vrai que Durel, dans une interview que j'ai notée, disait que son Quatuor, c'était une exploration de l'amour moderne. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de cosmopolitisme ou de... effectivement, j'ai toujours pensé que le moteur du Quatuor, c'était le désir. Alors peut-être que la question de l'énigme du désir... interroge plus les femmes que les hommes, c'est possible, c'est possible. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Iglesias Herrera, nous allons continuer de parler du Quatuor d'Alexandrie et d'écouter des extraits de l'adaptation que vous en avez faite pour France Culture en deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir, comme chaque jeudi, un membre du service culture de l'Obs que vous représentez aujourd'hui, Grégoire Leménager. Bonjour Grégoire. Bonjour Mathieu. Vous revenez aujourd'hui sur le livre de Pierre-André Taguieff et Annick Durafour, intitulé Céline, la race, le juif, gros livre, qui sort chez Fayard. De quoi s'agit-il? Et il s'agit d'un gros livre. Et c'est vraiment un pavé qui est sorti la semaine dernière. Quand vous dites ça, gros livre, dans tous les sens du terme? D'abord par son poids. Non, c'est quand même un livre qui fait 1200 pages, donc qui se présente comme une somme. Sur le comme un état de la recherche et une somme, disons, sur la question de l'antisémitisme chez Céline. En réalité, le livre se concentre essentiellement sur les pamphlets de Céline, sur son attitude sous l'occupation, sur les lettres qu'il a publiées dans les journaux sous l'occupation, sur quelques-unes de ses déclarations après-guerre qui laisse entendre qu'il ne regrettait absolument pas l'antisémitisme furieux et le racisme et toutes les sympathies pour Hitler qu'il avait pu avoir. Et voilà. Donc, alors le paradoxe avec ce gros livre qui bénéficie pour l'instant d'un accueil dans la presse assez spectaculaire. Hein. Il a eu droit de grands... Enfin, les auteurs ont eu droit à de grands entretiens dans différents journaux. Et à la télévision aussi. Et à la télévision aussi. Donc le grand public s'intéresse à cette question. Et oui, toujours. Oui, toujours. On n'en sort pas. Tous les 5-6 ans, là, en France, il y a quelqu'un pour dire Céline était un affreux antisémite et tout le monde a l'impression de redécouvrir cette chose alors que c'est extrêmement documenté et voilà. Et le paradoxe avec ce gros livre, c'est de consacrer autant de travail, autant de pages à finalement à compiler des choses qui sont dans tous les travaux existants sur Céline depuis assez longtemps. Enfin, donc il vous semble pas que ça apporte quelque chose de particulièrement neuf? D'un point de vue strictement documentaire, c'est un travail vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est un travail de compilation qui est phénoménal. Enfin, vraiment. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a, d'un point de vue documentaire, il n'y a pas de scoop. Quoi. Enfin, il n'y a pas de pièces nouvelles versées au dossier Céline. Et du coup, j'ai l'impression que la publication de cette somme se justifie surtout par l'intention d'en faire un réquisitoire qui s'avère au fil de la lecture extrêmement violent contre Céline et contre ceux qui
qui s'y intéresse ou qui aime le lire, quoi. Oui, parce que précisément, il est question des Céliniens, des chercheurs qui travaillent mm-hmm. sur Céline, mm-hmm. Et avec finalement cette accusation en second plan d'être trop Célinien et de cacher son antisémitisme. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez lu aussi, Grégoire Oui, Leménager? Oui, enfin, je pense qu'on ne peut le lire que comme ça, parce que c'est extrêmement explicite, en particulier dans les derniers chapitres du livre. Dans cette volonté assez curieuse au bout d'un moment de refaire le procès de Céline comme si on était au lendemain de la libération, il y a des attaques ad hominem très 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 claires de la plupart des universitaires et des chercheurs qui travaillent sur Céline, avec cette accusation, en ce moment je sais plus, quelque part l'expression est employée, de vouloir blanchir Céline de ses tares et de certains textes et de certains actes qui sont effectivement absolument lamentables, oui, pathétiques. Mais pas particulièrement cachés, il me semble qu'on en parle assez régulièrement. Mais qui ne sont pas cachés du tout. L'ambiguïté et la... Enfin, une sorte de mauvaise foi intellectuelle quand même qui sous-tend le livre. C'est-à-dire que le livre reproche beaucoup aux Céliniens de vouloir blanchir Céline, et en même temps, ce livre n'utilise que des documents qui ont été exhumés par ces mêmes Céliniens-là. Donc, ça va de Henri Godard à David Alliot, en passant par Émile Brami et François Gibault. Enfin, des gens qui de bonne foi, ont toujours manifesté à la fois un intérêt très vif pour l'œuvre littéraire et ce qu'ils considèrent comme le génie littéraire de Céline, et qui en même temps ont beaucoup, beaucoup travaillé à exhumer des choses très très peu reluisante sur le bonhomme, quoi. Donc voilà, c'est un ouvrage étrange. Et un ouvrage dont on pourra lire un compte-rendu bientôt dans l'Obs. Oui, je pense qu'il va y avoir des questions de l'Obs bientôt, oui. Merci, à très bientôt, Grégoire. Deuxième partie de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons toujours du Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel avec Eglal Herrera, qu'il a adapté pour notre chaîne, et nous écoutons également des extraits de cette adaptation. En voici un. Je m'en allais. C'était une triste soirée d'hiver balayée par le vent et la pluie. Sur la corniche, pataugeant dans les flaques, sautant comiquement tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, il était là, grand, mince, légèrement voûté, portant un chapeau noir à bord étroit. Balthazar. Nous nous connaissions déjà, mais seulement de vue, et nous aurions peut-être échangé un simple salut s'il n'avait été troublé au point de m'arrêter et de me prendre le bras. Ah, bonsoir. Vous pouvez m'aider? Non, je vous en supplie, aidez-moi, j'ai perdu la clé de ma montre. Si je ne trouve pas la clé, elle s'arrêtera. J'ai jusqu'à lundi soir et elle s'arrêtera. Vous pourrez certainement vous en faire une autre. Oui, oui, bien sûr. Mais vous ne comprenez pas, la clé appartenait à cette montre. Elle en faisait partie. Balthazar, médecin, juif, homosexuel. C'était un peu le Daimon, le médiateur entre les dieux et les hommes de la cité. En qualité de docteur, il passait le plus clair de ses journées à l'hôpital des maladies vénériennes. Il aimait dire, d'un air de pince sans rire... Je suis au centre du corps de la ville, oui, son système génito-urinaire. Rien de tel pour vous dégriser. Il était de ceux, très rares, qui se sont fait une philosophie et s'emploient à vivre en accord avec elle. Je pense que c'est cette synthèse profonde de sa vie et de sa pensée qui donnait à sa conversation un tel mordant. Je suis juif. Avec toute la curiosité sanguinaire et toutes les facultés de raciocination que cela comporte. Ce soir-là, nous entrâmes, je m'en souviens, dans une échoppe de la Corniche, et nous nous assîmes devant un café noir, tandis qu'il racontait de sa voix grave et profonde l'histoire de sa montre. C'est au cours de cette conversation qu'il me parla de Justine.
Un nouvel extrait donc de votre adaptation du Quatuor d'Alexandrie Aguilar Herrera où on découvre un nouveau personnage, c'est le personnage de Balthazar qui va donner son nom au tome 2. C'est un autre archétype d'Alexandrin, Balthazar. Oui, je pense que c'est un des personnages dominants de ce Quatuor. Du point de vue littéraire et de la langue, tout le monde s'accorde à dire que ce deuxième tome est le plus abouti littérairement, celui qui a la plus belle écriture. Et alors Balthazar, je choisis aussi cet extrait parce que il cherche sa clé, mais c'est lui qui va être la clé du Quatuor, c'est-à-dire comme il sait tout de tout le monde, c'est lui qui va éclairer le narrateur, donc d'Arlée, quand il se trouve sur son promontoire sur cette île grecque où il écrit où il écrit son récit, le Quatuor. Il voit débarquer Balthazar par une journée de tempête sur un petit bateau, il passe une soirée et là Balthazar va lui révéler à quel point il n'a absolument rien compris et rien su de ce qui se jouait pour les différents personnages à Alexandrie, quelle était la nature profonde de la nature profonde, une certaine vérité de sa relation avec Justine, le complot, et donc il va passer la nuit chez le narrateur, qui va lui donner à lire le début de son texte, donc Justine, donc le premier tome, et Balthazar va tout annoter et écrire, et il devient le deuxième narrateur du Quatuor, hein, il écrit, voilà. Et effectivement, c'est lui qui sait que entre Justine et Cléa, il y a une grande histoire d'amour. Il sait que Justine a follement aimé un poète anglais. Voilà, il va donc l'éclairer. Donc il y a un côté un peu métalittéraire finalement. Oui. À l'intérieur même du Quatuor d'Alexandrie. Tout à fait. Je pense qu'il y a une construction romanesque extrêmement sophistiquée et sans doute peut-être même plus que Alexandrie et son mythe, ce qui a vraiment tenu Durel, c'était son projet littéraire avant tout. Et ce projet, il intègre d'autres écrivains avant lui. On peut aussi parler d'intertextualité dans le Quatuor, avec des textes anciens, des textes plus récents, une inspiration de tous ces écrivains qui forment le panthéon de Durel. Moi, j'allais vous parler du panthéon d'Alexandrie. Je ne sais pas s'il a subi certaines influences. Je pense qu'il était dans le bel orgueil de l'auteur et de l'écrivain, c'est-à-dire qu'il a voulu inventer sa propre structure. Et effectivement, il y a une mise en abîme continuelle. Mais alors, c'est vrai que lorsqu'on parle du mythe d'Alexandrie, Marguerite Yourcenar qui a traduit le grand poète alexandrin Cavafy dans sa préface, dit que le mythe d'Alexandrie tient au fait que c'est une ville sans vestiges. Il n'y a pas de vestiges. Il y a maintenant des vestiges qui ont été des sous-marins, qui ont été découverts par Jean-Yves Empereur il y a quelques années. Qui est pour vous, du coup, un vrai alexandrin, qui est devenu, par sa découverte, un vrai alexandrin. Moi, je pense que Jean-Yves Empereur, pas seulement par sa découverte, mais par sa décision de vivre à Alexandrie, par le centre de documentation et la bibliothèque qu'il a bâti là-bas, a quelque chose du dernier alexandrin. Oui. Mais qu'est-ce que ça change, cette découverte de ruines dans le mythe d'Alexandrie? Eh bien, c'est que c'est toute l'histoire de l'Alexandrie antique qui est là. Je me souviens d'une vieille arménienne qui était vraiment une grande alexandrine et qui, au moment de la découverte de l'exhumation de ces vestiges, me disait: mais papa, en 1910, m'a toujours dit que le palais de Cléopâtre, que les vestiges du phare, ces vestiges du phare étaient là à 4 mètres sous le niveau de la mer. Et donc je pense que l'Égypte était plus attentive à son passé islamique pendant très longtemps et qu'à un moment donné, elle s'est ouverte
à un passé antérieur qui est l'Alexandrie antique. Donc c'est important ce retour de la mémoire. C'était quand même une grande ville hellénique qui a été fondée par Alexandre le Grand. Voilà. Et ça, Durel, alors il est plutôt dans cette histoire là, dans cette histoire longue là. Non, moi je pense que tout l'intéressé, il fait une allusion récurrente à ce grand poète grec d'Alexandrie, Cavafis, dont il a traduit un certain nombre de poèmes d'ailleurs, et certains passages, il reproduit certains poèmes qu'il met dans la bouche de ses personnages. Il y a eu Foster avant lui qui a écrit cette Alexandria History and a Guide, et donc ils ne se sont jamais rencontrés, ils voulaient se rencontrer. Après Durel, il y a eu Tsirkas qui a écrit Des cités à la dérive, qui sont aussi un énorme livre, mais où Alexandrie n'est pas centrale, mais où il parle d'Alexandrie reconduisant quelque part ce mythe que Durel a exalté. Et vous dites que la chaîne littéraire continue jusqu'à Olivier Rollin, oui. J.B. Pontalis et même Teresa Crémisi. Ben pourquoi oui. Teresa Crémisi? Ben, c'est la petite dernière, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans son livre, qui est un roman un peu autobiographique, bon, elle a eu la pudeur justement de brouiller un peu les pistes, eh bien... Tout ce qui concerne Alexandrie est absolument nourri de la connaissance littéraire et historique de la ville. Allez, un dernier extrait. Ma chère Claire, un long mois déjà dans ma petite île, et l'avenir ballotte au fond de moi comme une cargaison mal arrimée dans les cales d'un navire. Si je n'avais tellement envie de te revoir, je crois que je ne retournerai plus jamais à Alexandrie. Tu es sans cesse présente à mon esprit. Tu partages toutes mes pensées. Comme une lame de couteau très froide que je maintiens contre mon esprit palpitant. Je venais à peine de confier cette lettre au muletier qui descend le courrier à la ville, quand je reçus une lettre portant un timbre égyptien dont l'écriture m'était inconnue. Darley. Tu ne l'as pas reconnue, n'est-ce pas, cette écriture sur l'enveloppe? C'est ma première lettre avec ma nouvelle main. Naturellement, au début, elle me terrorisait et me répugnait, tu imagines. Mais j'ai maintenant beaucoup de respect pour ce bel et délicat appareil d'acier qui repose devant moi, si paisible dans son gant de velours vert. Elle peut accomplir les travaux les plus délicats, même tourner les pages d'un livre. Mais surtout, ah Darley, je tremble en écrivant ce mot, elle peut aussi peindre. Tous les chemins se sont ouverts devant moi et pour la première fois, tout me paraît enfin possible. J'ai là sur la table, à côté de moi, un billet de bateau pour la France. Il souffle un vent de départ en ce moment, comme pour éparpiller nos vies à nouveau et les redistribuer sur une nouvelle trame. Mount Olive s'en va dans 2 mois. Il est nommé au poste le plus envié de sa profession, Paris. Il s'est marié secrètement, tu devines avec qui. Même Balthazar part en voyage. Smyrne, Venise. Mais la nouvelle la plus piquante, je te l'ai gardée pour la fin. Justine. Imagine-toi que l'autre jour, en descendant la rue Fouade, vers 10 heures, je la vois venir vers moi dans une pimpante robe d'été d'une coupe très suggestive et devine qu'il marchait à côté d'elle, poussif et sautillant comme un gros crapaud. Même Lick. Elle le traînait littéralement comme un bulldog en laisse. Cléa, quelle joie de te revoir. Tu es splendide. Nous avons rendez-vous avec Nessimo au Yacht Club. Tu viens avec nous? Tu penses que je ne me fis pas prier? Elle rayonnait d'une joie malicieuse et me lançait 1000 petits clins d'œil amusés dans le dos de mon nez. C'était comme si, telle une puissante machine de destruction, elle s'était brusquement remise en marche. Dans un moment d'aparté, elle m'a soufflé: j'ai trouvé le point faible de Memlik.
Il rêve d'être introduit dans la bonne société d'Alexandrie et de rencontrer des femmes blanches. Beaucoup de femmes blanches. Tu sais, nous avons mis un nouveau plan sur pied, Nessim et moi. Nous avons fini par percer une brèche. Et cette fois, c'est beaucoup plus grand. C'est une affaire internationale. La chance de Nessim a brusquement tourné. Cléa, je suis si heureuse. J'en pleurerai. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Voilà pour ce nouvel et dernier extrait de votre adaptation dans une réalisation de Christine Bernard. Sugy, pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? C'est la fin du quatuor et qui quelque part à la fois donne des nouvelles un peu de tous les personnages. Effectivement, tous les personnages importants du quatuor soit meurent, comme Layla, soit quittent Alexandrie fait allusion à un accident que Cléa a eu dans la baie d'Alexandrie, précisément d'ailleurs à l'endroit où ont été exhumés les vestiges par Jean-Yves Empereur. Et donc elle perd une main, elle est amputée d'une main et elle part. Alors pourquoi j'ai choisi ? D'abord parce que c'est la fin, mais aussi parce que ça reconduit quelque part cette énigme du couple Nessim et Justine, qui connaissent en fait une espèce de ruine au moment de la guerre, où Nessim doit vendre en vente aux enchères des meubles qu'il avait, où Justine, après un séjour dans un kibbutz en Israël, elle revient comme une espèce de grosse paysanne avec les mains calleuses, elle n'est que l'ombre d'elle-même. On se dit c'est terminé, Alexandrie c'est terminé, ce couple c'est terminé, et voilà que, eh bien non. Et puis ils prennent un peu le tournant de cette Égypte qui s'arabise, puisque ce même Lik Pacha est le représentant de ce nouveau pouvoir en Égypte, et que Nessim et Justine le prennent dans leur filet. Voilà. Un petit peu comme Durell et Gal Herrera, vous avez choisi d'accorder moins d'importance aux faits qu'aux sentiments, et votre adaptation, c'est une adaptation qui a cherché à saisir les sentiments. Oui, vraiment, en travaillant, en mettant le nez dans ce texte, je me suis rendu compte que le complot, que tout ce qui était historique, même les revendications coptes, qui à l'époque, la communauté était pas persécutée comme aujourd'hui et plus puissante, passait quand même au second plan, et que ce qui intéressait Durell, encore une fois, c'est sa structure romanesque, mais c'est uniquement les rapports interpersonnels, l'amour, le désir. Vous me posiez la question tout à l'heure de pourquoi ça intéressait les femmes. En premier lieu, peut-être aussi parce que il y a une force d'attraction qui fait que on souhaite s'identifier à l'une, surtout à Justine, qui reste malgré tout le personnage dominant de ce quatuor, et donc qui à la fois prend les hommes dans ses filets et à la fois elle subit sa vie, cette femme. Elle n'est pas simplement actrice et puissante. Elle est d'une fragilité énorme. Il y a comme ça des allusions aux épreuves qu'elle a pu vivre, comme son enfant qui a été kidnappé et qu'elle continue à chercher dans les bordels de la ville. Il y a des scènes absolument magnifiques. Et ce qui est important, c'est très peu la peinture sociale, c'est beaucoup plus le déchirement et les contradictions de ce personnage. Faut-il lire le Quatuor d'Alexandrie avant d'aller visiter Alexandrie, ou oui, serait-on déçu ? Alexandrie, c'est une vieille dame qui a été belle. Donc il faut un petit peu savoir à quel point elle a pu être belle et ensuite aller à Alexandrie et faire, dans ce très beau texte qu'Olivier Rollin a écrit, Olivier Rollin est parti à Alexandrie en ayant
toute l'histoire en tête, tout le monument littéraire à la gloire d'Alexandrie. Il est parti chercher les traces de cette Alexandrie, comme a écrit Cavafy, qui s'éloigne, qui s'en va, qui nous quitte. Voilà. Il y a ce poème très important de Cavafy, qui dit « Fais tes adieux à Alexandrie qui s'en va ». Et Alexandrie est quasiment partie. Alexandrie, c'est l'Égypte ou c'est non, différent? C'est ad Egyptum, comme on dit, c'est-à-dire près l'Égypte. Un grand merci à vous, Eglalera, d'être venu nous parler de ce chef-d'œuvre de Laurence Durrel et puis aussi de votre travail d'adaptation du Quatuor d'Alexandrie. Donc pour les fictions de France Culture, on pourra réentendre au printemps sur notre chaîne cette adaptation dans son intégralité.